Là-dessus, il nous a un peu lâché, genre, mais un petit peu, genre, comme ça, là. Bienvenue ce soir dans les in-house de Pichotte. Je suis Hiro Haru, je serai caster ce soir en compagnie de Sparta. Bonsoir, Sparta, comment vas-tu? Bonsoir à tous, tout va bien. Est-ce que tu es hype pour les matchs de ce soir? Et toujours hype pour voir du grand Pichotte, bien entendu. Grand événement. On a des joueurs un petit peu bons et d'autres un petit peu inter. Peut-être que ça va être full int. C'est possible? Sûrement full int, je pense. Mais ça a l'air d'être quand même bien équilibré. Bon, dans une team, il y a Trok, malheureusement. Grand coach de STCD. Et de l'autre côté, malheureusement, Yann Eder, notre directeur artistique, n'est-ce pas? Mais dans l'équipe, il y a Coco Derico. Et oui. Rico est une valeur sûre. Et en tout cas, du coup, pour vous situer ça dans les deux équipes de Pichotte, dans la première, nous avons Trok, Nila, Fire, Midsaber et Unix. Donc 2 gold, 2 platines, 1 diamant. Et dans la seconde, nous avons Nader, Coco Terico, Sparty, Vivineuf et Rengliev, n'est-ce pas? Donc, certaines de ces personnes. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire, Sparta? Oui. Alors, j'ai bu un coup avec Rengliev la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Très gentil. Il fait beaucoup trop jeune pour l'âge qu'il a, bien entendu. Très bien, merci. Et je vous informe que dans 2 minutes, la draft arrivera. Merci la régie. Par la suite, Coco Terico est parti. J'ai beaucoup joué avec eux, enfin beaucoup. Trok a été mon coach, Nila ma sub, hein, bien sûr, une grande Soraka. Et Soraka. La reine des Soraka, peut-être? Oui, tout à fait, la reine des Soraka. Et c'est tout. Après, je ne connais pas forcément, je n'ai pas joué, et voilà. En tout cas, moi, je sais que j'ai échangé quelques fois avec Terico, il devait m'enseigner l'art de la mid lane. Ça ne s'est pas encore fait, mais je suis... Je suis un peu fan de cette personne et j'espère qu'il nous offrira du beau jeu, hein, parce qu'il fait des best-of du monde, mais il faut les ressortir en game. Oh, c'est honteux ce que tu es en train de dire. C'est si méchant. Je l'aime beaucoup et il le prendra pas mal. D'ailleurs, plein de bisous à nos joueurs. Rico, potentiellement en MP. Parce que la régie va vous montrer ses MP. Rien n'est moins sûr.
D'accord, très bien. Ah, ça restera sécuritaire dans un coin, d'après ce que nous dit la régie. Car en effet, vous ne pouvez pas entendre la régie. Et c'est un avantage. Oui, c'est honteux, ça. Vous pouvez l'entendre. Envoyez des messages pour leur demander de start les drafts. N'hésitez pas à faire des dons à Pichotte pour qu'il ait une vraie carte son. Déjà, il faudrait nous rémunérer. Nous quoi ? Et ensuite, acheter des cartes son. Un max de cartes son. En effet. Si vous donnez genre 500 euros, ça devrait aller. N'hésitez pas à voler la carte bleue de vos parents. Les dons, j'allais dire qu'il y a quelque chose, mais pas du tout. Mais n'hésitez pas à vous sub. Sub un max. Subez-vous, envoyez des bits, n'est-ce pas ? Et je ferai des prédictions par ailleurs. Faire des prédictions. Je sais les faire parce que je suis. Quand c'est la prédiction. Ah, nous informe à la régie que le launcher a peut-être planté parce que. Ah, peut-être Riot que Games, le launcher a planté. Riot Games développe beaucoup. Mais non, Coco est en custom game, donc tout va bien. Ah, la régie est en train de paniquer. Team. Ni moi. Il y a peut-être des désistements pour la régie. La régie qui a peur, hein, bien entendu. Ça va bientôt partir. Ça arrive. Et c'est parti. Ailleurs pour cette tournament draft qui oppose deux grandes équipes. Ah. Et les joueurs, bien entendu, qu'ils ont quitté pour nous. Comme l'a dit Coco Terrico, on a vu que vous aviez un écran noir, donc on s'est demandé, c'est gentil, le temps qu'il règle tout ça. Qui a éteint la lumière, je ne sais pas. J'ai lancé ma boule trop fort. Un Ménéder aussi. Quelle honte d'avoir... Désolé, petit bruit de dé. On va sûrement repartir en draft incessamment sous peu. Dès que la région aura fini de hint. Dès que la région a trouvé une solution à ces problèmes. Ah, la régie qui se plaint, qui se dit que bordel, ça n'arrive qu'à lui. Il paraît que ça marchait tout à l'heure, nous n'avons aucun élément pour aller dans son sens ni dans l'autre. Il faut lui donner des petites tapes sur la tête à la régie pour le rassurer. N'hésitez pas à lui envoyer des cœurs. Il y a un mec sous cœur, il a besoin d'amour. Et Hiro, je viens de voir ta PP quand même BG. Hein. Ma PP Twitter ou C'est sur le stream. Ah oui, allez. Alors, oui. C'était un grand moment. Alors, de côté, nous,
Comment va faire la régie? Ah, la régie est dessus, donc vous ne voyez rien, mais c'est normal. Ça va arriver. Il y a une autre scène, tout va bien. Ouais, du coup, pour les ban, bah, ils vont ban la même chose, ils sont gentils. Donc voilà, Thresh. Thresh Zac d'un côté avec Azir, Jinx et Volibear du côté de Team Coco Terico. Et Vel'Koz. Et si on voit tout? On ne touche à rien? C'est pas grave, tout va bien. On sait pas. Ça va bien. La régie qui a trouvé comment faire, bravo. Et que va ton pic du coup? Et attention, le Diana peut-être. Diana? Qui joue Diana dans ce bordel? Ah, est-ce que ça serait pas le moment d'essayer des pics dans Cena House? Et non, Kaïsa, on reste classique au classique. Ah, Kaïsa, pourquoi pas? C'est un pic qui fait très mal, qui scale extrêmement bien. Réponse, va-t-on trouver du côté de l'équipe de Unix contre cette Kaïsa? On va pick la Senna. C'est la 7. Peut être. Où va les 7? Peut-être support si cette Senna est à des carrés, mais ça m'étonnerait beaucoup quand même. Bah, pick 7 alors que tu n'as pas le support en face et que tu peux te faire bolos par à peu près 40 pick range, c'est quand même chaud. Ouais, je suis bien d'accord. Après, on peut le flex mid aussi si jamais Coco Terico prendrait un AD mid. Ça marcherait bien contre tout ce qui est Yone, Yasuo. Et le Phil Sick. Il a pas été mal, il peut être pick. Le Phil Sick qui est sorti. Un pick qui fait extrêmement peur en équipe où tu vas pouvoir chercher à zoner un max, enfin, à fier un maximum d'adversaires. Tu vas pouvoir les silence. Et pendant ce temps, ton équipe va pouvoir aller chercher les carries assez facilement. Et tu vas même pouvoir faire les tanks qui vont s'enfuir en courant. Oh, le Blitzcrank de Reningliev, incroyable. On lui ban son Thresh, il prend autre chose avec un grab. Et le Rumble, potentiellement Rumble Jungle, ça se joue plus Jungle ce truc. Même ça s'est fait un peu de nerf au dernier patch, si je ne me trompe pas. Oui, ça reste assez fort en Jungle. Et même en lane, ça bully pas mal ses opposants. Mais je pense que là, oui, ce Rumble sera Jungle, ou peut-être mid, je sais pas. Si on va chercher des décals avec ce Rumble, peut-être. Cool, Vivi qui joue beaucoup Fiddle d'après. Qui a joué pas mal de fois Fiddle d'après son OPGG. Oui, il joue pas mal. C'est un spammeur de Fiddlestick. C'est honteux. Et du coup, on va ban la Syndra de Coco Terico, qui est un excellent joueur, enfin, un bon joueur de Syndra. Il fait très peur avec, pour l'avoir vu quelques fois. Oui, bah il est fort quoi dessus, fort et le terme qui lui convient le mieux. Il maîtrise les boules. Il maîtrise un maximum les boules. Il est fort. Alors, je vais dire ce qu'a dit la régie, bien entendu. Maîtrise, il manipule les boules avec une certaine maîtrise. Merci, la régie. Je n'hésiterai pas à mettre en évidence ce que nous dit la régie parce que vous ne l'entendez pas. Et du coup, on va pick Lucienne. Oui, Lucienne qui marche bien avec Harry, mais qui marche extrêmement bien en mid laner aussi. On a beaucoup de flex pick quand même Team Proc. Ah oui, il faut que je prépare mes prédictions, excusez-moi. On va chercher de la Zoé du côté de Coco Terico. La Zoé pourrait être un bon pick parce que du côté de l'équipe de Unix, on va avoir cette Senna et ce Lucienne. Si on leur met une bulle dessus, quasiment limite un one shot assuré si personne arrête la bulle. Parce qu'on n'oublie pas que Zoé augmente les dégâts de son Q avec la distance parcourue. Et un joueur qui maîtrise extrêmement bien la distance et les skill shots, exactement le mot que je cherchais, pardon. Les skill shots va pouvoir aller assez loin chercher les carries. Et le Horn sur cette top lane. Merci beaucoup. À Horn Sion, on risque de se faire chier quand même. Ah, les jungles ne vont pas du tout aller sur cette top lane, hein. Cette semaine assez dure. Ah. Mais du coup, du côté de l'équipe de Coco Terico, on va avoir cette Kessa qui va scaler extrêmement bien, cette Zoé qui, si elle est bien, va être juste beaucoup trop, va mettre beaucoup trop de dégâts, ce Philosophy qui va pouvoir scale un maximum, et ce Horn qui va arriver
dès son niveau 14, max les items de ses alliés et qui va augmenter leur scale. Mais du côté de l'équipe de Unix, on va avoir du burst, on va avoir beaucoup de burst, hein, notamment avec ce Lucian, ce Rumble, et même ce set. On va pouvoir chercher peut-être le Horn et le balancer sur la backlane de l'équipe de Cocoterico. Donc attention quand même à bien visualiser le set dans la game, ne pas lui laisser trouver des flanks trop rapidement. Et voilà. Si vous le savez, j'ai aussi lancé les prédictions. Savoir quelle équipe va remporter le match entre la team Cocoterico et la team Troc. Que penses-tu des deux drafts, par ailleurs? Alors, je pense que si la game dure trop longtemps, l'équipe Cocoterico va gagner la partie si elle s'éternise. Tandis qu'early, si l'early est géré relativement bien, on va pouvoir dérouler la game tranquillement et finir la game le plus rapidement possible, entre guillemets. Voilà, il y a deux styles de jeu qui s'opposent clairement. Même si dans l'équipe de Unix, on va avoir un peu scaling avec cette Senna et ce Rumble, mais c'est très négligeable par rapport à ce qu'il y a dans l'équipe de Cocoterico. Donc voilà. D'ailleurs, je tiens à souligner quelque chose dans la team de Coco. Si on est derrière, c'est un enfer à jouer. Parce que le Fiddle sera inutile, l'Azo est pareil, le Blitzcrank, bon, pareil, ça risque d'être immonde. À moins que le Blitzcrank parte full AD critique. Non, full AP. Les meilleurs, n'oublie pas les Blitzcrank AP mid. J'ai qui cassaient les gueules. J'ai tendance à oublier. À ne jamais oublier. À jamais dans nos cœurs. Mais du coup, moi de mon côté, j'aime beaucoup la team Unix. Beaucoup de persos que je mets trop haut dans mon cœur, sauf Sion. Comment ça, sauf Sion? Je ne suis pas un joueur top lane, moi. Moi, je joue... Mais même sans être un joueur top lane, Sion est un mort vivant, intuable, qui fonce tout droit. Ouais, mais c'est trop cheaté. Oui, mais c'est trop cheaté, mais entre ça, il y a quand même une sorte de rat sur un robot mécanique. Ouais, c'est vrai. Je suis pas convaincu. Bah voilà. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, bien entendu. Dire ce que vous pensez. N'hésitez pas aussi à donner vos points de chaîne. Ah, et la Géry qui souhaite nous parler. La régie. Ah, la régie qui all-in Cocoterico. On all-in Cocoterico. Allez-y. Moi, je ne peux pas... Comment ça s'appelle? Voter. Ah, car tout simplement, je suis modérateur et si je vote, je ne peux plus fermer les prédictions. Ah. Du coup, il faudrait deux modérateurs, du coup. C'est ça, il faudrait deux modérateurs. Et du coup, nous n'avons pas tardé à rentrer dans la partie de jeu vidéo. Dans 24 secondes et je ne pourrai plus rentrer dans les personnes qui habitent chez moi reviennent du restaurant. C'est bon. Et du coup, hâte de voir comment les jungles vont essayer de dérouler la game. Est-ce qu'on va essayer de mettre d'abord bien notre mid lane, appuyer sur la bot lane, ou alors est-ce qu'on va tenter des trucs obscurs, mettre bien le horn, parce que un horn bien, ça casse quand même quelques bouches, hein. On va pas se mentir. Bah, du côté de la team Cocoterico, pour moi il faudrait mettre bien cette bot lane pour permettre des roams assez agressifs du Blitzcrank. Et après, du côté de la team 3, que mettre bien ce Lucian. Oui, tout simplement. Et que pour la régie de changer de jeu parfait, la régie qui est en point pour notre retour. Et ça, c'est beau. La régie qui se fait la main. On pourra dire. Notre mini est très très fin. Ça marche, merci la régie. Et du coup, j'avais bien raison, hein. C'est bien un set Cenabot. Et celui-ci est vide, du coup. Je suis pas si fan. Du coup, est-ce que c'est le set qui va farmer ou... Parfait. Oui. C'est la régie. Du coup, est-ce que le set va farmer? Est-ce que c'est la Senna qui va farmer? Putain, qui a été. Oui. De mémoire. Le gantelet cryo a été nerf. En tout cas. D'accord.
Et du coup, voilà. Je n'ai pas suivi les patchs. Du coup, c'est un peu moins fort. Mais du coup, je me demande comment ils vont essayer de jouer ça face quand même à Kaisa Blitzcrank. Donc, cette scène-là, on va pouvoir chercher assez facilement quand même un hook. Et c'est quasiment une mort assurée si on n'a pas de flash. Du coup, tu peux résister. Oui. Vu qu'il a la Conqueror et non pas le comment ça s'appelle ce truc en Aftershock. Je pense qu'il va le farm. Je pense bien qu'il va farm. Et en effet, ça part double targon, donc ça va farm. Et du coup, nous entrons dans cette game des House de Pichot. L'équipe Cocoterico contre l'équipe Unix, que la meilleure gagne. En effet. On va peut-être veiller. Petit flash. On va pouvoir rattraper. La vision. Flash. Pas de flash. Tout va bien. La vision qui est posée topside de map. Oui, on va voir cette petite ward toute gentille. Et du coup, on se positionne du côté des autres équipes. On part sur un cover classique. Ce fil-ci qui semble commencer dans cette jungle top, forcément. Et le Rumble qui va suivre pour. Qu'au bout de 3 minutes et 3 minutes 40, il soit entre la mid lane et la bot lane pour jouer déjà le carabateur et pour aller sur la lane qui en aura le plus besoin. On va complètement oublier cette top lane. Sion, Horn, c'est un truc que tu ne veux pas gank. C'est une lane que tu ne veux pas gank car les deux sont assez intuables. Surtout avec un pick comme Fiddlesticks, tu vas pas pouvoir chercher ce Sion assez facilement, surtout avec un Horn également. Voilà. Non, je pense que que les hostilités vont potentiellement commencer botlane ou mid, plus botlane côté carapateur. Les hostilités vont commencer là, donc à voir quelle lane bot et mid auront la priorité, le grab qui est raté de la part de Renbidev. C'était pour attaquer le sbire, c'est une strat coréenne. Je sens un certain sarcasme de la part d'Hiro. Non, mais moi je pense que c'est une vraie stratégie. Et attention, ça trade un peu sur cette top lane. On lui demandera si la stratégie coréenne était de mise ou non. Le petit chroma sur le biscron qui veut faire la différence. Hein. On peut être caché parmi les creeps rouges. On peut surprendre l'adversaire. Gros creep. Et attention, Cocoterico sur sa mid lane. Qui manque un maximum sur Lucian. Et attention au trade mode. C'est parti, le flash qui a été forcé après ce beau casse-tête de la part de Fire. Il a qui met beaucoup de pression. Et la botlane Cocoterico en difficulté. Elle est en difficulté, mais c'est dans les premiers niveaux, c'est Nasset. Ça fait assez mal. On va devoir attendre le premier item sur cette Kaisa avant de pouvoir vraiment faire quelque chose. Et du coup, sur cette top lane, un combat de tank. Pas grand chose à dire. Ça farm. En gros, en définitive, on se fait chier en top lane, malheureusement. Amusante, si vous êtes top laner, bah... Oh, le grab de la part de Rengliev sur Fire, qui rate son casse-tête. Pas mal de dégâts positionnés sur ce parti, mais c'est pas grave. C'est un des meilleurs passifs du jeu. Plus tu es low life, plus tu régènes. Et avec les potions, c'est gratuit. Du côté de Rumble, on va attaquer le Carapateur, tandis que du côté du Fiddlesticks, on va faire un full clear, se diriger vers le Carapateur, on va rencontrer le Rumble. Notre botlane ne peut pas décaler. Attention, le Fiddle qui est quand même entre. L'île de Nila. L'île de Nila, peut-être Fire qui flash peut-être sur Smarty. Smarty qui était en très mauvaise posture. Et Smarty qui meurt, peut-être que Rengliev va prendre aussi cher. Vivi aussi qui prend très cher. Vivi qui va sûrement mourir. Le grab de Rengliev sous la tour, mais sans aucun problème pour Troc. C'est un 2-1 de la part de la team Unix. Le Fiddlesticks qui a voulu poser un gank sur cette botlane en premier, mais qui était entre le jungle ennemi et la botlane ennemie. Donc c'était très compliqué pour lui de s'en sortir. Il est mort. Et du coup, du côté de cette Kaisa, on s'est fait avoir par le bouclier de Seth, qui était assez imposant quand même. C'est ce qui rend le perso assez fort sur des lanes comme la botlane. Un quart de vie, ça fait beaucoup. En effet, et ma crainte, la crainte de début de game, hein, comme on se peut-être arriver déjà un Kal'Gold à 4 minutes. J'espère que la composition côté blue ne va pas tomber réellement derrière, sinon on est vraiment dans la mouise.
Bah, effectivement, il faut pas laisser trop d'espace à l'équipe adverse. Du coup, l'équipe de Coco, on va devoir juste scaler un maximum. Peut-être éviter de prendre des trades en early si on n'est pas sûr de les gagner, si on n'est pas sûr de où est le jungle adverse. Et à partir de ce moment, on va juste pouvoir prendre des CS assez facilement, prendre peut-être des objectifs neutres, monter notre argent et scaler au max. Et attention, ce rumble sur cette lane, tu vas faire fait pure juste Coco. peur la Zoé. Et très belle vision passée par Aingief dans la bot partie de map. Là, la team rouge. Et là, on a pu voir ce rumble passer. On l'a déjà vu, mais ouh, ça trade du côté de cette top lane, ce Horn qui met quand même quelques dégâts à ce Sion. Il y a des cookies pour le Sion, donc tout va bien. Quel beau skin Elderwood. Il faut trouver quelque chose. Horn, tout va bien. Ils sont tous très beaux les skins de Horn, il en a que deux. C'est vrai. C'est vrai que Horn est très pauvre en termes de skins. Oui, attention Rumble sur Botlane. Rumble, Fire qui est quand même très loin. Fire qui était très loin, pareil pour Nila qui n'avait pas d'occasion d'envoyer son route. Et Rumble qui n'avait pas dit son dernier mot. Il va prendre la ward très certainement dans le Tribush. Il y a eu un mort, bien sûr, la régie qui n'était pas là. D'après lui, il y a beaucoup de choses à voir. Du coup, le Horn qui tue le Sion, c'était... ça pouvait arriver. C'est arrivé. Pas tellement, ça reste Horn, ça reste Sion, c'est des tanks. Si tu vas avoir prendre un kill avec Horn, tu vas pouvoir certes acheter tes items le plus rapidement possible. Mais en tout cas, t'es un tank, t'es pas la Kai'Sa ou la Senna. Et du coup, tout va bien. Enfin, tout va bien, c'est relatif, mais c'est pas catastrophique. Surtout que le Sion ne perd pas trop de CS pour l'instant. Mais un freeze va être imposé sur top lane de la part de Horn. Et là, le Sion qui va du coup aller prendre la vision dans un jungle top du côté bleu. C'est très intelligent cette prise de vision, sachant que le bleu du Fiddlestick va bientôt arriver. Donc, on va savoir où il est. Actuellement, il est en back. Potentiellement un dragon côté. Non. Ils n'ont pas la formation du Fiddlestick, malheureusement. On a de quoi le faire rapidement du côté de l'équipe rouge hein, avec ce set, ce Lucian. Ça déteste vraiment rapidement les objectifs. Malheureusement. Fait que, comme nous dit la régie, il faudrait que Rumble soit là. Pas forcément, il n'y a pas besoin de jungle dans le jeu. C'est vrai. Surtout que Seth tank quand même très bien les dragons. Et attention. Ouh, attention. Attention, petit Fiddlestick au coin de la rue. Ah, Rumble est là. Rumble niveau 6. Fiddlestick qui est un peu en retard en niveau, c'est pas de chance. Le Horn qui est là, trois qui est tout seul. C'est pas passé lent. Pourquoi l'ulti de la corde trop. On va chercher le petit trait du côté de Coco, on poke un maximum. Et le dragon. Ce carapateur. Oui, oui, le dragon qui est ping du côté de l'équipe rouge, pardon. Et c'est très intelligent, parce que tout simplement, le Fiddle est coincé topside. Sion, peut-être un grab, un silo grab. Regardez ça. Va-t-il le réaliser? C'est honteux. Il va le réaliser. Peut-être. Oh, et c'est non. Dommage. On a essayé. Et deux âmes gratos pour la Kai'Sa, pour la Senna. Et ça se calme. Ça se calme. On arrive dans une phase de jeu où il ne va pas se passer grand-chose. On va. Ah, merci les gold. Régie. Merci la régie pour les gold. Est-ce qu'on a des différences? Pas top, on a les 300 gold du kill qu'on peut voir ici, mais sinon il n'y a pas d'écart vraiment, vraiment imposant. L'écart vient de la botlane, hein? Ouais, l'écart vient de la botlane surtout. On a, oui, 200 gold, ça va en vrai. C'est pas entre la Senna et le beat surtout. Disney, c'est normal. Oui. Oui, c'est normal, hein. Senna qui va chercher, qui va pouvoir juste en poquant. Récupérer de l'argent facilement. Et du coup, là, Senna qui va avoir ses bottes. Au revoir, Unix. La régie qui est en retard, hein. Toujours. Hein. Attention. Oh, attention, sponsor. Est-ce qu'on va dive? Oh, l'ulti, les deux ultis qui sont partis. Rengif qui est mort également, le doublé pour cette Senna. Et la défense revient toujours de la botlane.
Oh, Cocotérico! Pas passé loin. Oh, c'est Hippo qui va chercher le petit. Ouf! Ça fait mal. C'est Zoé, sans item. Oh, attention, c'est top lane. Alors, on n'a plus de mana. Il n'a plus assez de mana pour QE. C'est dommage. Voilà, on m'a dit que ça s'était calmé. On n'en a pas parlé, mais la botlane de l'équipe rouge qui peut dive extrêmement facilement avec l'ul de 7, le 7 du 7. Plus de flash et sur ce Fiddle. Plus de flash sur ce Rumble également. Le flash de Fiddle n'est pas très important alors que le flash de Rumble, lui, est extrêmement important dans le sens où ce Fiddle Stick va juste pouvoir ult à son flash. C'est un Fiddle Stick. Il va pouvoir. Et encore un kill sur la top lane qu'on n'a pas vu. J'aime bien décliner la régie qui se plaint, bien entendu. Attention, la régie. La régie regarde dans la river. Attention, il y a Frengev qui meurt sur un très bon cache, peut-être. Attention, on va passer par la bulle. On s'est pris la bulle. Est-ce qu'on peut chercher du côté de Coco? Restez devant. Attention, là, il y a toute l'équipe de la part de l'équipe qui est en train d'arriver, Unix qui a pris très très cher, peut-être qu'il va se faire sauver par Nila. Non, le flash qui va le sauver. Une bonne escarmouche en fin de compte pour l'équipe bleue, un partout. T'entends pas fini. Bon, l'ulti de la porte Vivi, je l'avais pas vu, Unix qui va rester en vie. Non, j'ai rien dit. Cocotérico qui est toujours aussi chirurgical sur ses Q-spells. Et attention, petit 7, pardon, j'allais dire petite Senna, mais non, petit 7, attention, tu es tout seul, Spark qui n'a plus l'ulti. Le grab de Rengliev qui va être important, le flash d'Alpart de ce 7. 7 en sécurité, beaucoup de flash burn quand même. Beaucoup de flash burn. Deux ZDC qui ont des flashs, c'est tout. Effectivement. C'est très sensible. Mais du coup. C'est normal, la régie qui se plaint du fait est que la top lane se casse la gueule. Non mais c'est normal, c'est de tank. C'est des tanks qui sont obligés de se battre. Jusqu'au moment où ils ne feront plus de dégâts, et là, la top lane sera inintéressante. Attention, petit Horn. Petit Horn, petit Sion, excusez-moi. Justement, l'ulti de Horn, l'appel du dieu de la forge, l'ulti du Sion. Contre, tout va bien. Les deux équipes qui essayent de prendre la priorité dans cette jungle top pour pouvoir jouer le héros, mais aucune des deux ne veut céder la moindre parcelle de vision. Faudrait que le support se bouge un peu. C'est sur la top lane que les prochains moves vont se jouer. Ah. Le casse-tête qui a été raté de la part de ce 7. Petite accalmie dans l'orage, encore un Kaggle d'avance. Attention bot, la TP. Attention bot, en effet, la TP qui a été claquée de la part de Cocotérico. C'est qui tank. Tout va bien, un grab a été raté de nouveau par Rengliev. Tout va bien. Très agressif du côté de l'équipe bleue qui envoie un gros signal à l'équipe rouge. La victoire est encore loin. Je confirme Thierry. Pendant ce temps, Unix qui flush. Bon, Cocotérico qui va pas perdre grand chose. Il y a quand même 20 CS de retard. Faire attention quand même à ce petit. Oh, il peut le chercher. Paf. Attention, Unix. Attention, Unix. Unix qui. Tout va bien. Il n'y avait pas de R de la part de cette. Oh, le grab. Et c'est désastreux. Car tout simplement Troy qui est vraiment très mal, l'ulti de la part de cette Senna qui va le sauver peut-être de Vivi. Trop tout ça va peut-être passer. Attention, en Pierre arrive. Ils ont claqué beaucoup de choses. Troy qui est enfin mort. Et on va pouvoir faire le héros du côté qui ne bouge pas. Des deux côtés, le 7 qui était beaucoup trop en retard pour décale. La Senna, pardon, qui a décale. Excusez-moi, et le dragon qui est en train d'être fait de la part de cette botlane rouge. Là, c'est là qui a jump in, mais elle est... Non, tout va bien. Je veux dire, elle est totalement tarée, mais il y a un 7. Mais les sidesteps de ce parti sont là. Attention, fire quand même au grab de la part de ce Blitz, car n'oublie pas, l'ulti te dégage tous tes shields. Et c'est dramatique pour un 7. Effectivement, et du coup, on va prendre ce héros du côté de l'équipe bleue. L'équipe bleue qui se met extrêmement bien. Ce Horn qui a désormais 2 kills. Ce Fiddle Stick en 2-3. Il a son moissonneur nocturne. Ses dégâts vont être juste colossaux dans les prochains temps.
Même si je pense qu'il l'avait déjà tout à l'heure. Moi, Summer Nocturne, très bien. Tiens, j'ai joué en anglais, moi, donc je ne sais pas. J'avais en anglais. Je l'avais en anglais, mais j'ai arrêté de faire l'américain. Attends, la Batlane qui est en train de trade ulti de la part de Fire. Fire qui va peut-être mourir sur... Il y a Rumble, Sparty, attention. Si, le Rumble qui est là, Sparty. C'est dommage. Ballon, la TP. La TP attention, Horn. Ah, il a été cancel. Oh putain. Alors. Il a sauvé Nether. Alors, je pense que le cancel de ce Horn, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à ce Horn. En effet, si on a sauvé, là, t'es inquiet. On aurait craqué une TP pour mourir juste après. Là, on craque une TP, mais on reste sur sa lane. Mais par contre, cette bot lane rouge, qui est très très bien, c'est assez indécent. Le Tatna qui est en 4-0, ça fait, ça va commencer à piquer un maximum. Là, ça fait 11. Et attention. L'ulti de la part de ce final qui est dans le vent. Fire qui vient de se faire absolument détruire par la Zoé, la TP de la part de ce Sion. Attention, on est coincé du côté de Fiddlestick. Tuez-moi ce Fiddle. Le Fiddle qui doit mourir dans cette action. La stopwatch de ce Fiddle qui a peut-être été temporise, mais on peut pas se tenir. Attention, attention à Cocotérico. Cocotérico qui va peut-être mourir. Qui a bien été tanké. Le flash de la part de Cocotérico. Le grab de la part de Rien Gliev qui vient sceller le sort de Trok. Attention, Dila, tu es quand même très très seul. Dila qui n'a pas peur. Dila, il fed. Il n'a pas peur. Il va très Cocotérico. Cocotérico qui est obligé d'utiliser sa stopwatch. Le Blitzcrank qui court vers eux, le grab de Blitzcrank sur ce Sion, Sion qui va peut-être mourir, ce Sion qui va sûrement mourir pour donner un kill à Sparty. Attention, il y va le Sion. Allez Sion, et non, tu ne feras pas proc ton Demolish. Du coup, pendant ce temps, Horn qui push. Horn qui push, qui va asseoir sa domination sur cette top lane. Et du coup, la Zoé qui a un retard de CS, mais qui a 3 kills pour compenser. Elle est bien. Elle est très bien cette Zoé, elle fait peur. Elle va bientôt avoir son... Luden. Paf la tour. Et paf la tour. Alors, un Luden, oui, j'allais dire un Luden ou un Night Knight Harvester, mais non. Oh, attention Fire. Fire qui prend cette Zoé. Qui va sûrement... Grab, et non. Dila qui a fait son héros. Il a voulu prendre le... Oh, l'ulti de la part de Trok sur Cocotérico qui est vraiment très mal. Cocotérico qui se fait enchaîner par ce set. Très bon casse-tête. Et un kill pour ce set et pour ce magnifique ulti de Rumble. On a un peu gris du côté de cette équipe bleue. Pour Rien Gliev. Peut-être un rush kit. Pas du tout. Ah, ça reprend comme ceci. L'ulti de la part. Ouh, ce combo! Ce combo qui fait très mal, Fire! Fire qui ne va pas mourir, mais se remballe et meurt sur le côté de la part de Sparty. Sparty qui se remet très très bien 4-3. Et peut-être c'est Tour mid lane également qui va être à l'avantage de l'équipe bleue. Ouais, du coup, c'est Kizak qui se met bien, qui a son tueur de Kraken. Du coup, maintenant, on va avoir des dégâts juste monstrueux. C'est un freeze de la part de la régie. C'est un freeze de. C'était peut-être une réminiscence de la pause. Régie. Ah, la régie qui blame Riot. Et du coup, Ah, la régie a le droit. Et c'est un dragon de la part d'équipe. Un dragon. Et c'est du coup, le dragon 4-3. Les océans. Les océans. La régie qui continue de menacer Riot, bien entendu. Ne bannez pas notre chaîne, j'en supplie. Et oui, en effet, la régie, vous avez le droit d'insulter Riot parce que personne ne vous entend. Mais du coup, ils ne deviendront jamais partenaires maintenant, parce qu'ils le savent. Ah merde, c'est vrai. Et à 16 minutes, 3 K-Gold, 2 K-Gold, pardon, excusez-moi, je me fous. Et c'est le point Gold offert par la régie et par Sneakers. Oui. Je te laisse faire le point Gold. Un avantage de 400 Gold sur la top lane de la part de ce Horn. 300 Gold environ pour ce Fiddlestick. 700 Gold pour cette Zoé, pardon, excusez-moi. 200 Gold pour cette Kaisa. Et beaucoup trop de gold pour cette Senna. 3000 voire 4000, attention à l'engage de Fire. Fire sur Rengliev qui est sûrement mort. L'ulti de cette Senna sur l'ulti de ce Fiddlestick. Fiddlestick va sûrement prendre très cher vu le Sion qui arrive. Le Sion qui ferme la porte à ce Fiddlestick. Et deux kills, pardon, pour l'équipe rouge qui va sûrement reprendre la mid lane, je l'espère. Et un peu de vision sur la mid side. Oui, du coup,
le 7. Alors, pendant qu'il y a 7 pauses, je vais expliquer ce qui va se passer. On a un peu de temps. Le 7, qui du coup a pris le Blitzcrank avec son clou du spectacle, qu'il a emmené vers ses mates. Le Blitzcrank s'est fait one shot. Il a rien pu faire. Et du coup, ce philosophique qui s'est aperçu trop tard que Fight tournait en désavantage, qui a essayé de fuir, mais comme tu as dit, le Sion qui est venu fermer la porte de sortie avec son ult, qui a empêché le Fantastique de partir, et de ce fait, le fight va à l'avantage de l'équipe rouge, et c'est l'équipe rouge qui va, du coup, comme tu as dit, prendre l'avantage sur cette lane, prendre un avantage de vision, préparer. D'ailleurs, la régie, faudrait afficher les timers des objectifs neutres. Oui. En effet, très bien vu, Hiro. Et du coup, cette Senna en 6-0, cette Senna qui a, du coup, comme tu as dit, un énorme gold, celle qui fait la différence, quasiment toute la différence, dans cet écart de gold. Ah, Fire qui reprend l'agression contre ce Sion qui tank beaucoup, ce Sion qui retombe dedans. Attention à ce double stun, Sparty qui est très mal dans ce fight, Sparty qui meurt en showdown, qui part pour ce Sion, et un nouveau kill pour ce 7-7 qui rythme cette partie, qui rythme tous les fights. C'est assez indécent. Ah, encore une réminiscence du bug de la pause. Du côté du Horn, on tank, mais attention, on n'a pas l'équipe derrière. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose du côté de cette Zoé? Cette Senna beaucoup trop vite, cette Senna fait beaucoup trop de dégâts, elle se régène beaucoup trop. On peut-on chercher cette Senna? Pas de mana, surtout ça, cette Zoé. Effectivement, aussi, ça joue dans la balance. Mais comment chercher cette Senna, en fait, du côté de l'équipe bleue, avec un Fear de Philosophe, peut-être? Je suis même pas sûr qu'elle se fasse one-shot avec l'une de Fiddle ou Elfir plus la bulle Q de Zoé. Surtout qu'elle a un bon combo entre Horn et Fiddle. Et ça fait et beaucoup ça fait beaucoup de mai, beaucoup de si. Ça fait beaucoup de mai, beaucoup de si. Ah. Attention, la régie qui nous dit qu'en effet, elle joue Pourfendeur et Poigne. Pourfendeur et Poigne. Et en effet, il y a du gros à tuer en face. La tankiness, et surtout, elle veut absolument démonter ce Sion. Il va lui coller au basque. La régie, montrez-nous les stacks d'âme de la Senna, s'il vous plaît. 96 à 20 minutes. On est très bien. Hein. 97, même 98 maintenant. Elle va. Ce Sion qui fait sa vie de tank. Prend la vision dans la jungle bot. Push. Et du coup, du côté de l'équipe rouge. On se dirige vers ce Nashor. Est-ce qu'on va essayer de le faire en QQ? C'est risqué, mais on a les dégâts pour. Je trouve qu'il n'y a pas tant de dégâts que ça, justement, avec la Senna. Ça n'a pas des gros dégâts sur, entre guillemets, sur la durée, quoi. Ça met du temps, toi, quand même, cette connerie. Attention. On est quand même Rumble Lucien, pas trop loin. Oui, c'est vrai. La régie qui essaie de faire des plaques. Le Lucien, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore trop vu dans cette partie. Il a un avantage de CS. Oh, c'est ça. C'est un FK shop, ça, de la part de Sparty. Qui consume un flash, du coup, là-dessus. C'est catastrophique. Fire qui est tout seul. Fire qui va sûrement tomber. Fire qui vient. Il n'a plus de shield. On va te faire une par Nila. Attention, ce Fiddlestick qui a été ramené sur Nila. Nila qui a été exhaust. Attention, Nila qui fait quand même très très mal. Nila qui est en train de survivre contre Coco Terrico. Attention. Là, c'est le poche de la part de ce. Oui, en effet, si on était contre celle, plus de Zoé. Et attention, Sparty qui est dans le dos. Sparty qui va se taper. Troc. Et c'est un 3 pour 3. Pourtant, une. Oh, attention! 3 pour 4. Excusez-moi, Sparty qui a attendu une X. Et d'ailleurs, je trouve que l'équipe rouge s'en sort pas mal quand même, parce que le 7 est parti très vite. Mais je trouve ça pas mal de la part de l'équipe rouge. L'équipe rouge, oui, il s'en sort quand même très bien. L'équipe bleue qui a réussi à chercher cette Senna, mais comme on a dit, on a dû utiliser beaucoup de choses. Déjà, on a dû attendre une erreur de l'équipe rouge, avec ce set qui allait extrêmement loin. Ce set qui a ramené le Fiddlestick vers la Senna, donc c'était une condition vraiment à avoir, le Fiddlestick avec la Senna, pour qu'il puisse mettre les dégâts de son ult. La Zoé qui met une bulle sur cette Senna, et même là, la Senna a failli survivre. Et c'est de retour peut-être pour les hostilités sur ce dragon, la TP de la part de Nether, non, de... Si, de Nether en effet.
de la part de ce Sion Lulci, de la part de Fiddlesticks sur ce 7. 7 qui va sûrement mourir. Non, 7 qui fait très très mal l'ulti de la part de ce Rumble. Le Rumble qui vient tout simplement de vaporiser ce petit. J'ai oublié son Blitzcrank, excusez-moi. Geeks qui revient, Unix qui est en train de flanquer. Attention, Cocoterico. Cocoterico qui va sûrement prendre très cher. Sparty qui vient de tuer ce Sion. On est très low de la part de ce petit. Horn qui vient de mourir, attention au Fiddlestick. Sparty qui est dans la backline, qui est en train de faire très mal. Sparty qui est en train de bosser trop. Attention, Unix qui est toujours sur le côté. Unix qui va sûrement mourir. Et Sparty qui vient, qui est en train de détruire cette backline. Encore un snipe, non. Un flash de la peur d'Unix. Et un très, très beau taf. Très, très beau taf de la part de Sparty dans la backline qui n'a pas été focus. Et ça, c'est très beau. On arrive dans les eaux des 25 minutes, là où Senna brille le mieux, surtout c'est les feeds avec Star du Kraken plus ce danseur fantôme. On l'a vu, elle découpe extrêmement vite l'équipe rouge. Surtout si on n'arrive pas à l'atteindre, est-ce qu'on y va vraiment du côté de ce set? Attention Fire, on prend très très cher. Rengliev qui vient de dire non aux dégâts de la part de ce set sur sa petite Kaisa. Et l'équipe bleue qui revient. Bah on est dans le late game. Close, mais ça revient. On l'avait dit, s'ils arrivent à scale, ils vont passer devant. Et là, ça va être très compliqué pour l'équipe rouge. Allez chercher cette Kaisa. Comment on fait? Si on n'arrive pas à la catch tout de suite avant le fight, la trouver dans un combat et la cancel avec toutes ces invisibilités, ça va être très compliqué. Surtout qu'elle a un dash pour se repositionner. Je souhaite souligner quelque chose. La Senna avait... Donc, son Kraken Slayer, son danseur fantôme et deux dagues. Elle a maintenant une salutation de Dominique. Oui, non, si, c'est ça. C'est ça. Parfait. Une salutation de Dominique. Et donc, du coup, le Sion va fondre. Le set va fondre. Si, j'ai dit Senna ou Kaisa? Tu as dit Senna. Fais chier. Donc, cette Kaisa, bien entendu, la régie qui pointe mes erreurs. Et on va faire un achat de Kaisa. Est-ce qu'on bug un achat? Non, je ne pense pas que ça va bait. C'est le Sion qui n'a pas de TP. On y va là. Peut-être. Ah, on y va. Fire qui va sûrement mourir là-dedans. Mais on est très très low. Attention Unix. L'ulti de la part de Rumble qui a été raté. L'ulti de la part de Fiddlestick sur le Rumble ainsi que la Senna. La Senna qui est en train de mourir. En train de prendre l'eau tout simplement contre cette Kaisa. L'ulti raté de la part. Sur le kiting de la part de Sparty. Sparty qui fait tout. Ouais. Sparty fait la pluie, le beau temps dans cette game. Et c'est grâce à lui. Elle est trop nombreuse. Que cette équipe bleue, selon moi, est encore dans la partie. C'est grâce à Sparty. Et quoi, attention, Unix qui est en train. Comment il s'est retrouvé là? Comment on se retrouve dans cette situation? Hop là. Plus de Lucian et le dragon. Le Nashor, excuse-moi, qui m'a été fait. Par la suite, par l'équipe bleue. Après, on a pris beaucoup de gold du côté de l'équipe bleue, mais même s'ils sont extrêmement dans leur partie, ils sont toujours en retard de 1k gold. De 1,5. En effet, mais le Nashor va faire du bien car je trouve qu'il y a très peu de dépush du côté de la team rouge quand même. On a le 7 Senna, on a le Lucian qui, en termes de dépush, tue bien. Et après, c'est vrai que c'est cauchemar. Compliqué de dépush. Sur cet cauchemar. Le Rumble ne fera pas de dégâts. Le Rumble, bon voilà, il n'est pas là pour ça. Et ouais, du coup, ça va être très compliqué de dépêche. Mais je trouve. Oui. Ah, la régie qui trouve suspect le pick de Rumble. Nous demanderons à Trog, bien entendu, ce qu'il en pense. Éminent et grand coach des CCD qui ont participé à l'OTF il y a peu. Après, n'oublie pas que les in-house, c'est le terrain pour tester des trucs. En effet. Le Senna 7, bon, voilà quoi, j'en ai jamais vu. Je suis grand fan de Senna 7. Alors qu'au début de la partie, c'était plutôt en mode, je suis pas trop fan à l'idée. Oui. Mais finalement, t'es convaincu. Justement, j'ai beaucoup joué Senna 7 avec Pigeon à l'époque de la CCD quand j'avais encore un niveau. Quand j'avais le temps, surtout quand j'avais un niveau. Senna 7 est très très forte, mais le problème c'est que j'avais peur du pic de Rengliev.
car concrètement, s'ils prenaient un range et quelque chose qui pouvait vraiment plus cancel ce set, ils étaient dans la merde totale. Attention, attention aux grappions. Hop là, on te ramène. Bienvenue chez nous, on est 4. Cette jungle bot side et la nôtre. Et la tour et bot lane. Le Sion qui va vraiment très vite, hein, du coup. Ah, du coup, place. 3-12 sera sauvé. 13-4-3 sur Ekessa. Les carry de l'équipe bleue qui sont extrêmement bien. Ovivi, regardez-le. On veut tenter quelque chose, on veut forcer du côté de l'équipe bleue. Non, il se résigne. On a le dragon à jouer. Une âme des. Alors, si la game va jusqu'à l'âme des océans, une âme des océans sur Horn, Kaïsa, Fiddlestick. Bon, on va trap du côté de l'équipe bleue. Oh oui. Oh, alors, on est vu. Regardez Sparty qui sautille d'impatience. On a été vu, on a été vu par une Blue Ward. Il faut reculer. Et faire ce dragon qui pend les bras. Alors, on le fait extrêmement vite. Hein. Kaïsa qui met un maximum de DPS. Il n'y a plus de dragon. Qui a même outsmite son jungle. Ça c'est fort. Et quatrième item pour cette Kaïsa. Item amélioré en plus. Et c'est le point gold offert par la régie et par Sneakers. 4K gold en effet pour cette Kaïsa. À la botte qui est équilibrée par la Senna et le Blitz. Mais bon, c'est pas bien grave. 1K gold pour cette Zoé. Even ou 300 gold, quasi rien pour les deux junglers. Et Even également côté de la top lane. Et quand même 1300 gold pour l'équipe bleue, pas grand chose. Mais... Oui, à peu près, on est dans ces eaux là. On va chercher la jungle de l'équipe rouge, on ne va rien laisser à ce Rumble ni à cette Senna. On va prendre un stun de vision, la double pink ward dans le bush, c'est une méthode coréenne. En effet, ça c'est bien coréen, on le sait tous. Mais au lieu de mettre 4 gold, tu peux en mettre 8. Je trouve que les gold ne sont pas représentatifs de la. De la domination de la part de l'équipe bleue qui voit les rouges non loin leur grave raté de la part de ce Blitzcrank. Et peut-être prendre cette tourelle top lane également qui les embête, l'équipe bleue. On va la prendre. Mais du coup, si tu mets une pink dans un bush, pour l'enlever, tu dois être 4 auto-attaques. Si tu en mets 2, tu dois en mettre 8. Donc ça dure 2 fois plus longtemps. En effet, les. Et du coup, si t'en mets 3. Ça prend 3 fois plus de temps. Le cours de maths, bien entendu. Est-ce que la technique, ça se passe de mettre 5 pink ward dans le même bush? Attention, Dedder. On peut pas vraiment aller chercher ce or. La régie s'offusque du nombre de pics, mais c'est parfait. Ah bah, dans les games silver, on voit pas ça. Le pics qui s'est fait détruire. Attention à ce son qui est en train d'arriver, l'outil dehors qui va venir sur ce son. Ce son qui est en train de se faire découper. Il n'y a plus de Sion, il n'y a plus rien. C'est Kessa qui fait beaucoup trop mal. Il l'a découpé, c'est une disqueuse à jambon. Oh, attention le 7 qui vient avec son arc-en-ciel. Le doux. Oh, attention, le 7 qui est dessus, le 7 qui vient de se faire regrapper par Inglief, l'ulti de la part de Fiddlestick dans le tas, mais ce 7 qui hit, il l'envoie dans sa backlane, il n'y a plus personne pour défendre cette base rouge. Il reste une fin de partie du côté de l'équipe bleue, on va y aller, on va prendre cette tour de Nexus. Aïe aïe aïe, la partie commençait bien côté rouge. Elle commençait très bien, mais. Bah, fini. Comme dit Pariro juste avant, si l'équipe bleue scale arrive à rester devant, ou even, c'est la mort. Et c'est une victoire pour l'équipe Cocoterico. Et je lâche la réponse, Team Cocoterico. Hop là! Bon, du coup, alors, qu'en penses-tu? Déjà, la régie a fait les dégâts, s'il vous plaît. Ah oui, en effet, les dégâts. S'il vous plaît, les dégâts qu'on voit. Les dégâts de la Kessa qui vont être honteux. On s'attendait pas à ce que Horn domine autant sa top lane du côté de l'équipe rouge. En effet.
Il l'a dominé, il a tué deux fois le sur en 1v1. Et là, on voit la Kai'Sa qui est juste monstrueuse, qui a quasiment trois fois les dégâts de toute l'équipe rouge. Excusez-moi, allez-y. Et du coup, la Snake, la Kai'Sa qui était juste monstrueuse, qui a scale, qui a récupéré 2-3 kills. À partir de ce moment-là, elle a pu avoir ses items. Elle a eu ses items, elle a récupéré encore plus de kills derrière. Personne n'a pu l'arrêter, on n'a pas pu la chercher. On n'a pas pu trouver un one-shot sur cette Kai'Sa. Ce qu'il a laissé en free DPS, ça s'est vu. Elle a découpé l'Ocean, qui était tanky quand même. Elle a découpé le Set. Elle a découpé le Lucian à la fin. On a vu, elle a juste mis un Q, Lucian a disparu. Donc voilà. Donc très très belle performance de Neos Party. Bah, on peut pas lire, ils ont fait un early assez respectable. Ils ont un peu trop grid, notamment sur des moves où ils étaient dans la jungle adverse. Et ils se sont fait catch assez rapidement. Hein, notamment en ce moment où ce set était dans la jungle. On voit le Philostick sur son AD carry. Son AD carry s'en sort pas. Donc voilà. Peut-être faire attention au niveau de la vision du côté de l'équipe Bloom, parce qu'on a vu qu'en early, il manque un peu de vision. Ça peut jouer en leur défaveur. En effet. Attention à la vision d'un côté et attention au grid de l'autre. Parce que l'avantage de cette bot lane, Senna 7, n'aurait jamais dû être bafoué autant. Mais je tiens à relever quand même quelques erreurs d'ulti, deux ou trois du set, sur ce Fiddle, qui l'a ramené, par exemple, au dernier fight, où le Fiddle était ramené au milieu d'une backline entière. Est-ce que en vocal, on s'est dit oui, tulpe le Fiddle aussi, comme ça on peut le one-shot assez facilement en espérant qu'il n'ait pas son Zhonya? Ou alors on est allé en mode tulpe quelqu'un et on regarde ce qui se passe. C'est ça. Là, Régie, j'aurais une question pour vos yeux et vos oreilles incroyables. Y a-t-il une pause qui a été prévue ou pas du tout? Je demande une pause, bien entendu, technique. Voilà. Si vous pouvez informer les joueurs. N'hésitez pas également à mute le vocal de chez nous. A tout de suite, messieurs, dames, dans 5 minutes pour une petite pause technique. We'll be right back.
Et c'est reparti pour cette deuxième game des in-house de Pichot. On rappelle 1-0 en faveur de l'équipe de Coco Terrico. Une première game qui s'est plutôt bien déroulée pour eux, avec quelques frayeurs. Et je suis toujours en compagnie de Sparta. Tu vas toujours bien ? Je vais toujours bien. Une première game qui a été mouvementée, tout de même. C'est le mot. Je trouve. C'est plus bien en action. On a eu quelques frayeurs du côté de cette équipe bleue. L'équipe rouge, enfin, ok, du côté. Okay. Ils auraient dû trouver des noms pour leur équipe, en vrai. La team Munich, c'est la team Coco. Parce que du coup, dans l'équipe de Coco Terrico, on a eu quelques frayeurs en early, où on avait un early largement derrière, face à la bot lane de l'équipe de Unix, où ce 7 Senna, un combo, ma foi, très efficace, avait pris vraiment l'avantage, avec une Senna en 6-0 à un moment. La régie nous demande de meubler. Bon meuble. Sponsor Ikea, bien entendu. Ikea qui nous donnera rien. En termes d'argent ni de cash prize. Il n'y a rien à part du fun et de l'amusement ici. En effet, prenez votre shot de rigolade. Alors, si vous voulez une bonne nouvelle, aujourd'hui je suis à 8 victoires d'affilée en ranked. C'est assez incroyable. Ah, et ça c'est beau, tout de même. Ça c'est beau, hein. Les casters sont forts. Personnellement, je suis en plein BO diamant et on va bientôt y aller. Soon TM. Hop. Est-ce qu'on va avoir du coup les mêmes bans? Est-ce qu'on va focus des bans dans cette phase de draft? J'ai hâte de voir ce que les deux équipes nous réservent. Est-ce qu'on va ban la Senna? Est-ce qu'on va ban la Kaisa de Neos Party? On va avoir la réponse immédiatement.
honnêtement. Avec cette partie qui a fait peur, quand même. Bah, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mal tout de suite. Est-ce qu'ils pensaient que soit il n'avait pas la pique, soit il pouvait gérer le pique, ou alors ils l'ont oublié. Je ne sais pas. Et le ban du Zac, pareil que la première game. Et le penalty qui est toujours bonne. Mais est-ce qu'on va en pique classique? On a vu que ça n'avait pas très bien marché. On va mettre classique. Je sais qu'il fait peur, du coup. Pourquoi pas. Le Fidel qui a quand même bien rythmé leur lit, je trouve. Hein. Malgré un gang qui a été raté. Mais il a bien rythmé cette game. Le ban d'Azir, encore. Le ban de ce Blitz. Et on a laissé le trash pour l'instant, ça veut dire. C'est trash. Est-ce qu'on va ban trash maintenant? Est-ce qu'on va favoriser un pick du trash? On oublie souvent, enfin, on est souvent en mode si le trash est pas ban, go le first pick, mais c'est normal. Un trash est un excellent pick. Comme dit, on permet à un carry de se repositionner, on peut sauver ses mates extrêmement facilement. Voilà, du coup, on va favoriser forcément le premier pick sur ce trash. Et du coup, quelle réponse va-t-on trouver face à ce trash? Déjà pas un 7, ça c'est sûr. Pas un 7, peut-être un Broom, on peut penser à un Bard aussi, Bard qui marche extrêmement bien en ce moment. En effet. Mais 7 qui reste quand même un pic, Thresh pardon, qui reste un pic qui est très très fort, je trouve. Quelle que soit la méta, quel que soit tout, ça reste très très fort. Même en se faisant nerf sur son E, il reste viable, c'est assez impressionnant. Et du coup, on va prendre cette Caitlyn plus ce Jarvan, donc. Déjà, là, on est face à une composition qui semble déjà très agressive avec ses deux picks. Et est-ce qu'avec cette Caitlyn, on n'aurait pas cherché une Morgana support, peut-être? Ça peut être intéressant, en effet, cette Morgana avec, avec cette Caitlyn. Léona aussi, hein, de toute façon. Léona reste forte, bien que Thresh la counter un peu. Alors. Mais ça reste. On va être fort. Lucine, top. Top mid jungle, où est Lucine? Et le Varus, Varus Thresh, bien sûr, l'une des compos les plus corsaires en botlane, je trouve. Varus, du coup, qui va avoir peu de dégâts dans le premier niveau, mais dès qu'il va avoir ses Draktar, on va vite être submergé par ses dégâts impressionnants. Son ult qui peut permettre de carry vraiment un fight si. Et le Galio qui est sorti? Alors, question, ce Galio est mid support? Galio, parce que Galio. Support, je pense. Hein. Marche très bien. Et pour spam Galio mid, ça marche aussi très bien. Je pense plus à Galio support, en effet. Je reste plus sur là-dessus. Mais du coup, on a quand même. Bon, contre Thresh. Ouais, contre Thresh. Ouais, Thresh grabe le Galio. Galio peut être derrière. Pensez à ça, on va pas nous narrer. Mais moi, je me dis, on a un Varus d'un côté, et d'un autre côté, on pique. Enfin, on a pick Jarvan Galio. Enfin, on a pick Galio. En plus de Jarvan, on a des picks corps à corps qui ont des ults où tu es obligé d'être vraiment autour de tes mates, plus dans la team ennemie. Un ult de Varus se propage du Jarvan au Galio pour aller chercher la backlane. Ça va extrêmement vite. Donc peut-être attention au placement de l'équipe Cocoterico sur cette game. En effet, qu'est-ce que ça vient de ban? Urgot, le Gnar, le Sylas. Parce qu'en effet, un Sylas avec un Lucky Jarvan et un Galio, c'est l'enfer sur Terre. Surtout que même si tu penses tuer Sylas, non, 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 il se régène grâce à son Z. Ça t'oblige à faire de l'enfer. On va voir ce que ça donne. Hein. Le Bad Horn. Du coup, qu'est-ce qu'on va chercher du côté de l'équipe de Cocoterico? On va vite voir si ce Galio est support ou midliner. Je place ma pièce sur un Galio support de mon côté. S'il fait mentir, on va voir cela. Qu'est-ce qu'on va. Le gang plank. En effet, on a ban Gnar. Gnar qui est un gros. Alors, gros. J'ai oublié mon GP, mot. Mais ça va. Contre GP, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent aller chercher. Kled. Kled. L'agression. L'agression. Même si on voit très peu de Kled, parce que bah, je sais pas, le pic est pas aussi fort qu'avant, ça peut être une bonne solution. Surtout, c'est un bon pic d'équipe, hein, on va pas se mentir, avec son ult qui te permet d'aller chercher tes engages assez rapidement. Et Victor. Et tu pour l'instant, Victor très très fort.
Lila. Non. La Kali. Et la Kali de la porte Coco Terrico. Ça va bouger en mid lane. Là, on va la se faire plaisir. C'est la Akali de Coco qui est sortie. Bon, on est quand même face à Victor. On est quand même face à Victor. Donc, attention. Même si on connaît, s'il connaît très bien son perso, Coco Terrico. Faire attention aux dégâts de Victor. On n'est jamais à l'abri d'un petit ult qui part trop loin sous la tour. On se fait cesser et le Victor prend le kill. Est-ce que tu veux dire par là que Coco Terrico int? Je ne dirais pas qu'il int. Je dirais qu'il oublie les limites du jeu. Ah, le limit tester, bien entendu, Coco Terrico. Mais du coup. Ah oui, n'hésite pas à revenir vers ton micro, en effet. C'est bon, je vais faire de même. Ah, on t'entend parfaitement. Ah, la prédiction, en effet, je m'en occupe tout de suite. Mais du coup, je vais parler composition pendant que tu fais les prédictions. Oui. Niveau composition, du côté de l'équipe Unix, on va avoir un maximum de scaling. Victor, Varus, Kled, c'est scale, ou même. Kled qui va être agressif dans les premiers niveaux, Kled qui va juste être agressif tout au long de la partie, qui va essayer de chercher des aggros sur ce GP. On va essayer de mettre ce GP mal, c'est-à-dire ne pas lui laisser trop d'opportunités de farm tranquillement, parce que GP avec deux items, bon, ça me fait mal. Donc GP qui va scale extrêmement bien du côté d'équipe Coco Terrico, la Akali qui va scale, la Caitlyn. La Caitlyn et cette Akali qui vont être protégées par deux du GP. Un ult de Jarvan pour empêcher, par exemple, le Lee Sin d'aller chercher facilement cette Caitlyn ou cette Akali, d'empêcher le Kled, même si du coup c'est un peu compliqué en fait pour l'ult de Jarvan, parce qu'on a Lee Sin et Kled qui peuvent sortir de sa zone, de son arène assez facilement. On a Galio pour supporter cette Caitlyn, donc des entrées héroïques toutes les deux minutes. On va chercher de l'accélération de compétences sur Galio pour avoir son ult plus souvent. Et du coup, voilà. Et niveau plan de jeu. Les jungles peuvent gank à peu près partout, surtout mid lane, il faut mettre nos mid laner extrêmement bien. Le mid laner qui sera le mieux aura toutes les cartes en main pour carry son équipe, enfin carry son équipe, pour en tout cas aider son équipe au mieux et remporter la partie. En effet, c'est Akali qui, je trouve, peut-être plus décale comparé à ce Victor. Effectivement, c'est Akali qui peut mettre. Oui, non, mais bien sûr. Peps. Bien sûr, cette Akali, dès qu'elle va avoir son niveau 6, va chercher des décales assez rapidement. Ce Victor, lui, va juste être cantonné sous sa tour, prendre les CS qui arrivent, avoir ses items tranquillement, et arriver à 20, 27, 25 minutes, il va pouvoir commencer à mettre ses dégâts monstrueux. Pareil du côté du Varus, hein, on va essayer d'aller chercher des items rapidement, on va pas essayer de jouer aggro, surtout face à Caitlyn Galio. Dans les premiers niveaux, Caitlyn Galio ont largement l'avantage face à Varus Thresh. Les dégâts de Galio sont juste en early trop puissants. Il met des smashs avec sa passive, ses tornades font mal, il y a son E qui permet d'être de CC, plus ce Z derrière. Et Caitlyn, bon, un Adkari qu'on connaît bien, qui peut avoir ses balles chargées rapidement si elle est auto depuis les bushs. Un Q qui, s'il passe pas à travers les creeps, fait extrêmement mal aussi, des traps. Donc voilà. En effet, et je trouve les deux compos quand même plus axés sur les fights. Et quel compo préfères-tu le plus de ton côté? Alors là, je trouve que les deux compos sont assez équilibrés. Je pourrais pas là tout de suite donner une compo gagnante. Je pourrais pas me décider sur quelle compo est la meilleure. Pour moi, elles sont toutes les deux équilibrées. Même si on a, je pense, du côté du Jarvan, moins d'opportunités d'ult avec ce Kled et celui-ci qui vont sortir en fait. Le problème, c'est qu'on a Jarvan, et de l'autre côté, on a Lee Sin, Kled et Thresh qui peuvent sortir sortir des alliés rapidement de l'arène de Jarvan. Donc si Jarvan ult quelqu'un, il faut le tuer assez rapidement. Et du côté de l'équipe de Coco Terrico, on a les bursts pour. C'est pour ça que je ne pourrais pas me dire quelle équipe est la meilleure. Elles ont toutes les deux des bons combos, des bonnes réponses à des agressions. Donc je pense que la game va être extrêmement serrée. Et j'ai vraiment hâte de voir ça, du coup ça annonce vraiment des escarmouches d'à peu près partout, des catchs, des aggros. J'ai hâte, mon cher Sparta. Ah pareil, de mon côté, mais j'aime beaucoup la team Coco Terrico. Il y a un Gangplank, il y a une Caitlyn, deux persos que j'apprécie particulièrement. Et des bons combos en fight, en effet avec une arène de Jarvan où en effet beaucoup de personnes peuvent se barrer. Mais bon, si c'est bien comboté avec un Galio, un Jarvan et un ulti de Gangplank, ça peut faire peur et ça peut faire très très mal.
Donc attention au placement, surtout des carries qui n'ont pas d'escape, sauf un petit trèche. Si on chope les deux, on va leur faire un choix. Et oui, du coup, on y est. Rapproche deuxième partie. Et, ah, deuxième partie des in-house de Pichot. On y est, deuxième game, 1-0 pour l'équipe de Coco Terrico. Il me semble que c'est un BO3 si je ne me trompe pas. Donc s'ils gagnent cette partie, bah, ils ont gagné. S'ils ne gagnent pas, il y en a encore une. En effet, un invade qui est prévu côté blue sur le top side de la map. Et en réponse, on pense qu'il y a un invade côté bot side de la map pour les rouges. La régie qui est en plein rodage. La régie qui est de retour, c'est bon, tout va bien. Et... Régie qui a beaucoup de bugs, n'hésitez pas à faire des dons. Côté Rico, il repart. Pour qu'on puisse se payer une meilleure régie. Alors. Surtout. Et pour l'anecdote, que notre mi arrête de faire régie, oui. J'avais demandé à Côté Rico de me train sur Akali, ce qui va se faire prochainement. Et du coup, je suis prêt à faire ce pic. Vraiment, je suis hype comme jamais. Ah. Eh bien, prends ton petit calepin. Prends ton petit calepin et ton stylo, surtout, et prends des notes. Ça commence bot side côté blue et top side côté rouge. On va chercher des ganks top du côté de l'équipe de Unix. Vous ganks un GP. On veut mettre au fond ce GP. Hein. Après, je me dis, t'as avec les signes. C'est vrai que gank Caitlyn Galio, c'est très compliqué. Si tu fais un pas de côté, Galio te taunt, il te E, Caitlyn te trappe. Ça se comprend qu'on veut jouer le côté safe de la map. C'est-à-dire une map, une lane sans CC, pardon. Alors que Troc est mid lane pour cet Akali. Attention, Coco. Attention, tu le sens. Troc qui va embêter ce Jarvan au niveau du blue, peut-être. Est-ce qu'il va essayer de le piquer? Non. Ah. Il a raté le Q, malheureusement. Il pense qu'il a fait son blue. C'est catastrophique. Nila qui prend très cher, le grab qui a été raté. Et Nila a déjà mid life. La position des traps est vraiment très intéressante, ça empêche vraiment, ça fait faire un tour à l'équipe bleue. Et s'ils se les prennent, c'est une agression gratuite. Donc bon, attention à ne pas trop se prendre les traps, surtout à ce moment de la game où on est vraiment très squishé. En effet. Mais du coup, Lee Sin a déjà un niveau de retard. En effet. Bah, Lee Sin qui n'a pas fait son blue. Ce Jarvan qui est plutôt bien, qui se profile potentiellement pour un gank sur ce Victor Midlane ? Ah. J'ai dit midlane la régie. Merci. Et le gant de la vie. Et c'est le first blood pour Coco. Alors peut-être là, un Akali show qui arrive. Là où on a été très intelligent du côté de l'équipe rouge, et qu'on savait que Lee Sin allait essayer de faire un gank early mid, on n'a pas trop pris le push. Mais du côté de ce Victor, on s'attendait pas à ce que. Bizarrement, on ne s'attendait pas à ce que ce Jarvan fasse ses deux solo camps plus un camp passé 3 et venir mid lane, alors qu'un Jarvan, techniquement, c'est son mode de jeu. Il fait ses deux camps plus un camp pour passer 3 et il met la pression en gankant un maximum. Une miscom peut-être de Troc là-dessus, qui est comme un jungler aguerri. Qu'en penses-tu? On l'a perdu. J'ai perdu mon co-caster. Mon cerveau était haute part. Tu peux me répéter ta question? Merci. Non, tu parlais juste avant du passing du Jarvan. Oui. Est-ce que ce serait pas un problème de com côté blue? C'est possible. Un problème de com ou un misplay en mode on va dire que Jarvan n'est pas là, on va push un maximum et on va espérer qu'il soit pas là. C'est possible. Okay. Après, il est tard. Oh, Vivi. Regardez Vivi. Il revient, sur Unix. Unix qui d'abord. On a un flash. Qui est obligé de commencer le flash. On y va sous tour. Coco qui reprend son deuxième kill peut-être. Ce Lee Sin qui va sur Vivi. Peut-être que Vivi va mourir. Le flash de la part de. Il a pris de flash. Jarvan. Plus de flash sur ce Lee Sin. Après, dans les creeps pour Coco. Attention, Renglief qui prend très cher également. Ça se bat un peu de partout. Fire aussi qui prend très très cher. Attention, Fire. Le flash in de la part de Sparty. Le heal de la part de ce Varus. Tout va bien. Tout le monde est loin. Nila qui reflash et Nila qui tue. C'est beau. Peut-être le grab sur ce parti, le sidestep. Tout va bien. Enfin, tout va mal côté raid, surtout. Tout va mal côté raid. On a quand même
raid pour l'équipe rouge, d'accord? Oui. Oui. Bah, on a quand même cette Akali en 2-0, donc est-ce que tout va mal? Côté botlane, surtout. Ah, pardon, oui. Sur botlane, tout va mal. Après, oui, c'est un kill spot trash, mais... En effet, oui, pardon, la régie qu'on était avec nous. Spot. Mais en farm, on est... En farm, on est even, attention, non? Attention, parti qui se fait tuer par Fire qui ne sera pas sauvé par la tour. Vivi qui va peut-être prendre ce kill sur Nila. Nila qui est en train de courir court. Petite rage court. Ah, le renfort de la part de ce Lissine. Tout va bien. Du coup, comme on l'a dit, German bien, met de la pression sur toutes les lignes, hein, par contre. Hein. Il était mid, il les botte. Il laisse sa top lane se débrouiller. Mais c'est un GP, donc GP va scale en ayant ce CS sous la tour. Donc plus il est sous la tour, mieux c'est. Et là, un dragon enclenché par l'équipe rouge. En effet, le back a été forcé du côté blue. Coco Terrico qui est quand même assez low. Unix qui est 6 comparé à Coco qui est 5. Il n'y aura pas de contestation côté red vu que Lissine n'est pas là, tout simplement. Et c'est un free dragon des océans. Dragon des océans, ça met bien le GP, ça met bien la Akali, ça met bien un botlane. En trade, en vrai, en early, un dragon des océans, c'est juste le meilleur dragon que tu puisses avoir. En face de lane, Coco Terrico qui vient de retuer. Coco qui vient de retuer en mid lane. Attention à ce Varus qui est tout seul. Varus, tu es trop loin. Et tu t'es fait punir par la puissance de Galio Caitlyn. Le combo qui on a été savait. Évité par Nila. On le savait qu'ils étaient le Drake. On a eu l'info. Ils ont fait le Drake. On aurait dû reculer instantanément du côté du Varus. On a voulu grid quelques CS supplémentaires. Et du coup, on va perdre une wave assez importante. Et il me semble même que c'est une wave canon, donc là, on est un peu dans le mal du côté de ce Varus. En effet. Et oui, en effet, oui, c'était bien une wave canon. Et le Jarvan, comme tu l'as dit au début, juste avant, il est encore présent de partout. Il est trop nombreux. Il aide ses lanes, il farm, il est quasi even. Attention, c'est parti. C'est loin. Oh, peut-être. Non, Ignite. Voilà, Ignite auto. Dommage, Ignite auto, il s'est pris la claque de Daron. On était loin du côté de Neo Sparty. Oui, en effet. Le raid qui a été subtilisé par Trok, malgré le renfort de Coco. Ce Jarvan qui a un level derrière. La régie, petit point gold s'il vous plaît. Ah, offert par Sneakers, bien entendu. Allez-y. Merci. Bah, on a quand même 900 gold de différence sur cette mid-lane. C'est vraiment énorme à 7 minutes de jeu. La différence se fait surtout sur cette botlane. Bon, top, voilà, c'est even, hein, 200 gold pour ce GP. Pour ce Kled, pardon, c'est un peu ça à 100. Sur la botlane, on a aussi 300 gold, enfin 200-300 pour ce Varus. Et bon, Thresh et Galio, bon, c'est des supports, mais on va quand même le dire parce que sinon ça se fait pas. 500 gold à peu près. 500-700 pour ce Thresh. En effet, les supports qui sont encore mis derrière. Attention à l'agression par Coco Terrico, peut-être. Est-ce qu'il peut devoir vers un histoire grâce à Nila. Non, oui, mais peut-être pas 3. Peut-être pas 3. Faut quand même pas déconner. Coco fuit. Il fuit grâce à son deuxième dash. Et très beau repositionnement quand même de sa part sur le Flay et sur le Grab. Des 900 gold. 1000 gold d'écart sur cette lane. Et deux stacks de tours. J'ai oublié. Deux plates, pardon, excusez-moi, qui ont été pris. Le bon pot de la part de Sparty. Mais midlife en low, posant attention Unix. Attention à ces kunai. Peuvent être fatal. On va mettre le E. On cherche l'agression du côté de Coco. Hop. Et c'est un kill. La courbette, la petite cascade. Non, pas la cascade. J'ai oublié mon mot. Et démon. Mais. Je pourrais pas t'aider avec la toute. Courbette. Bref. Et du coup. Oh, attention! Jarvan encore là! Et c'est Akali en 4-0, quel cauchemar! Cette attaque de saut noir qui va être maxée en Medjay à un moment. Il faut tuer cette Akali. Pas tout de suite, parce qu'on n'a pas les ressources pour. Mais il y a un moment, on peut peut-être trouver un catch sur cette Akali avec un stun du Victor. Un hook de Thresh. Top lane, il va potentiellement se passer quelque chose. Le gang de Vivi sur ce. Il est partout. Qui n'est plus sur sa monture. Oh, ce flash. Ce flash incroyable de la part de Vivi qui permet de se repositionner. Alors. Et ça se rebat encore de partout. La botlane, attention à ce Thresh. Thresh qui est obligé de flash.
out. Le trap de la part de Sparty. Sparty est impérial. J'ai rien on dit. On a mis Flash E. Je t'ai rien dit. I take it back. I take it back. Vite. Alors, pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc? Si jamais on a des néophytes sur le stream, il faudra leur expliquer ce qui s'est passé top avec ce Jarvan qui a E-Flash. Oui. Veux-tu expliquer ou j'explique? Je explique. J'explique. Okay. Très bien. Et bien tout simplement, durant son combo, donc son drapeau ainsi que sa lance, qui lance vers l'avant, comme il vient de le faire là sur Trunk. Et bon, le problème c'est qu'il est en train de me couper dans mon explication. Attention Coco qui prend très très cher ainsi que le Jarvan. Est-ce que Coco va arriver à partir? Non. Et ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. L'Hérald qui n'a pas été pris du côté rouge, bien qu'il ait été sécurisé. Cependant, un shutdown pris sur ce Kled, et ça fait très mal. Et du coup, je finis mon explication. Je t'en prie. Quand on est dans ce petit travel time, on arrive à son drapeau et qu'on flash à côté, on change de trajectoire, bump quand même la personne lorsqu'on lui flash dessus. Et c'est ce qu'a fait Vivi. Il a pas eu de sécuriser le kill sur ce. Oui, c'est un nom, mais je ne pourrais pas me rappeler du nom. Je me rappelle plus du nom non plus. Lion. Pensez une dent de lion. Attendez, la régie, ouais, vous explique quelque chose. Ah. Attendez. Que oui. On comprend très bien l'idée de la virgule, l'idée de l'insec, mais dent de lion. Attention, Troc, peut-être. Oh, vas-y, le dragon. Non. Récupéré par une Lief. Oh la voix. Très belle lanterne. Oh, très belle lanterne. Attention, Côté Rico, tu vas quand même très très loin. Il est en train de se faire rejoindre par ce Kyo et ce Jarvan qui ont faim. Et par contre, quelque chose d'horrible, Lila a repris le kill. Lila est en 3-0. Et ce Varus aimerait bien avoir ses 3 kills. Flash par Fouladé. Ah, le. Alors, attention, ma première game de Thresh était Thresh ADK et ça s'est plutôt bien passé. Les dégâts de la part de Sparty et de Galio. Le Jarvan qui est encore Jarvan là. Encore partout. Là, il est partout. Il est trop nombreux. À lui seul, niveau 5. Il est très très bon ce Jarvan, il est un peu de partout, il fait un peu le pompier. Sur cette partie de carte là, le dash de la part de ce Kled, excusez-moi, qui a été raté, ainsi que ça. Son petit jeu. On appelle ça. Ah, le point gold. Le retour. Je t'en prie, Sparta. On m'interrompt et je le fais. 500 gold pour ce Kled. Quasi 2300 gold pour ce Jarvan alors que j'ai perdu mon affichage. Au secours. C'est bon, je suis de retour. Quasi 1000 gold, pardon, excusez-moi, pour cette Akali. Even pour ce Varus et cette petite ligne. Et les supports, 900 gold pour Nila. Grâce à ses 3 kills. Par contre, un bounty de 300 gold pour Nila, ça peut être intéressant. On va chercher ce flash. On va chercher Victor surtout là. Les deux flashs ont été cramés. Troisième flash de Rengliev. Et c'est fini pour ce Victor Rengliev qui en survit. Très bon switch d'aggro de la part de Coco Terico et de Rengliev. Tout va bien. Attention à Troc. Troc qui arrive. Troc qui fait très très mal. Attention, le bon grab de Nila. Il faut le laisser ce Jarvan. Il faut le laisser. Non, c'est honteux. Rengliev qui prend. Rengliev qui saute. Il est en train de leur sauver le cul. Il leur sauve leur miche. Encore une fois. Est-ce que Nila va arriver à tuer quelqu'un? Non, ça commence à être catastrophique. Attention Nila, attention Fire. Fire qui est en train d'essayer de faire des choses. Et encore une fois, Vivi qui arrive à survivre. Attention à Nila qui va sûrement ne pas survivre. Le GP qui est de retour. Mais par contre, GP qui s'est fait crucifié. Attention Coco, Coco il faut partir, Coco il faut vite partir d'ici. Et c'est catastrophique ça par contre. On allait loin. Quand on parle de grid. Et ce Jarvan qui survit, pas beaucoup d'HP, qui se retourne même et qui cherche ce Thresh. Et quelqu'un qui est laissé en FIFA. Hein. Ça c'est beau. Attention Vivi. Et en effet, ce Jarvan qui a tout esquivé, il s'est fait protéger jusqu'à la fin par son Galio. Et ça, je tiens à le mettre en avant. Les supports vous protégera toujours.
Pendant que ce GP en tout. Très bonne ref. Tu peux nous enlever les golds, bien entendu, tout va bien. Les premiers mythiques qui tombent, hein, du coup. Eviscerateur sur Lucine, Eviscerateur sur Jarvan. Mais par contre, du coup, ce Jarvan, bon, on le dit, hein, il est partout, mais ce Lucine, il est nulle part. En effet, c'est vrai qu'il est un peu nul. Bah, ce Lucine est là, en effet, où il peut. Et surtout, je trouve qu'il joue, beaucoup, il joue plus en réaction. À ce Jarvan, oui. Il va spot. Oh là, oh, c'est risqué, ça. Donc, tout va bien. Il vole des choses. Attention, mid. Sparty qui est pris. Attention, Sparty. Mais non, Sparty n'est pas pris. Il y va, Sparty. Il a pas peur. Il a pas peur qu'on se Victor en 0-5. Il y va. Ce Victor lui envoie des cailloux. Il a un tir de Kraken. Mais du coup, Coco Terico qui est parti. Moi, je pensais qu'il allait partir sur Motion Nocturne comme tout bon Akali ou Créateur de Faille. Mais il part plutôt sur une Proto Belt. Pourquoi pas. Il a envie de plus de mobilité, encore plus. Alors que ce perso a 74 dash. Il va avoir plus de dash et surtout plus de pénétration. Oh, attention, mid lane. Je recolle la mid lane. Attention, Sparty qui vient de se faire catch. Sparty qui va sûrement mourir avec une mid de se trash encore une fois. C'est honteux, ça, se trash qui reprend encore. L'entrée est là qui est héroïque. Et non, c'est fini. Ils sont allés trop loin. Se trash. Et ce. Ce trash qui reprend un kill. Mais par contre, c'est 4 kills maintenant. Coco Terico. Coco Terico qui arrive derrière. Non, la team le faire. Non, il va pas, fait pas ça. Il va le faire. Il y va là. Quoi, il fonce. Il n'y a plus d'ulti. Il n'y a plus d'ulti. Ah, je pense qu'il a les dégâts pour. Hein. On peut chercher un one shot sur Varus. On peut. Tu sais, celui-ci, bon, je pense attention, qu'on pas d'offense sur ce que je vais faire, mais est-ce qu'il a les dégâts, peut-être pas la maîtrise et la technique. Peut-être. C'est possible. Mais par contre, maintenant, ce Varus qui est de renouveau bien. Ah, Varus bien. Draxar. Lucidité. Il a ses spells tout le temps, il a les dégâts, il devient invisible quand il tue quelqu'un, impossible de l'attraper. Il a de l'étalité bonus. Ça va faire est-ce très mal. Est-ce qu'on devrait pas slow un peu côté rouge? On devrait être slow. Tranquille. Bon, attendre que ces petites passent ces deux items, trois items. Bien sûr, totalement. On devrait, du côté de l'équipe rouge, laisser un peu de manœuvre à l'équipe bleue, tenter de catch, pas d'engage et fight, attendre. On a une équipe à engage, mais on devrait plutôt recevoir l'engage. Quelqu'un go, Jarvan go sur la backlane, Galio go sur Jarvan, on cherche backlane, Varus meurt. Là, le fight se déroule pour l'équipe rouge. Mais là, dans les circonstances actuelles, il faut pas aller chercher le fight en premier parce que ça se passe pas très bien. On l'a vu sur cette mid lane, on l'a vu dans cette jungle. Le flash de la part de ce Kled. Et d'ailleurs, je tiens à mettre quelque chose en lumière que je viens de voir. 18 minutes et déjà 3 dragons pour l'équipe rouge. Mais bon, c'est des montagnes. Ça permet de tanker, pourquoi pas. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux, mais imaginons Akali. Akali go dans le combat. Enfin, en vrai, vu qu'ils ont une équipe engage... Ah, Sparty qui rate. Sparty qui rate l'ulti de la part de ce GP qui va peut-être aider Sparty. Renkief qui est là. Mais c'est Fire qui vient de lui percer le crâne à coup de... flèche. Et du coup, attention Coco qui engage, attention main Vivi qui va peut-être ult. On attend l'ulti de Vivi sur ce Varus, mais Coco qui va trop loin. Il va trop loin. Et ce Varus qui était dans son arène n'a pas bougé. Il était très bien dans son arène, il n'y avait personne avec lui. Alors on a certes 3 dragons du côté de l'équipe rouge, mais là la game se déroule en faveur de l'équipe bleue. On cherche ses engages, on se fait punir. On est tout seul, on est isolé, on se fait punir. L'équipe bleue, qui déroule très bien son mode de jeu, et là, qui va chercher une T3 à 19 minutes. C'est un early extrêmement bien maîtrisé de l'équipe bleue. On a essayé 3 dragons. On a pris l'avantage sur Varus, sur Euclid. On va pouvoir jouer le prochain Drake. L'équipe rouge, là, qui est vraiment dans la sauce. Après, le seul point noir... C'est ce Victor. C'est ce Victor en 0-5. Et le problème, c'est que la Kelly, pour moi, va se faire maîtriser par à peu près tout le monde. Le Jarvan, c'est pareil. Et la Caitlyn n'est pas assez bien pour l'instant faire des dégâts. On a appris de ses erreurs du côté de l'équipe de Unix. C'est-à-dire qu'on a vu que Neo Sparty était un peu le carry de l'équipe. On l'a puni, on l'a mis au fond. Et là, du coup, ça se ressent. On manque de dégâts du côté de l'équipe rouge.
ça va faire la différence dans les prochains combats. Mais attention, l'équipe rouge qui a quand même Akali pour chercher rapidement ce Varus s'il est mal positionné. Même ça sent. En effet, comme nous dit la régie, il y a quand même un autre farm du côté de Sparty, mais qui est moindre. C'est un autre farm de 20 CS et le Varus a 6 kills en plus. Enfin, le Varus a 5 kills pour compenser. Donc, je pense que ça va. Et voilà, la Akali qui cherche les gens isolés, qui assassinent. On va pouvoir assassiner celui-ci. Ah, je... Oh, le Q-Spec qui passe à côté, trop. Et le bon barrage. Le... Non, c'est pas barrage de plomb, c'est un. Je ne sais plus. C'est barrage tout court, non ? Ah, canon, c'est canonade, oui, c'est parce que c'est canon barrage en anglais. Non, barrage de plomb, c'est l'ultimate de Miss Fortune. En effet, merci. La régie, n'est-ce pas ? Comme il le spot bien, il sait les ultimes, les noms d'ultimes en français, mais moi, ça fait 10 ans que je joue en anglais. Donc, du coup, je ne sais pas. Attention à celui-ci qui se repositionne. On veut la T1 du côté des rouges pour ouvrir cette jungle bot side et top side bleu. Est-ce qu'on peut arriver à la prendre ? Attention, Vivi qui prend quand même un peu cher. Si, je vous laisse ce que dit la régie. Si, il a quand même des dégâts. Mais c'est du poke quand même. Il n'y a qu'un item ennemi, pas encore sa Muramana. Mais bon, un Q chargé de Fire, je pense que la Caitlyn c'est one shot quand même. Hein. Non, peut-être pas. Ah, je pense qu'elle se fait one shot. Avec un peu de PV en moins et un Z d'activé, pourquoi pas, 70-60% HP, ouais. Et le Drake qui arrive dans 28 secondes, le GP qui arrive à pied, qui est derrière ce Kled. Est-ce qu'on veut le jouer du côté de l'équipe rouge ? On peut laisser. On a 3 Drake, on peut très bien leur laisser un Drake. C'est du lane. Moi, je pense qu'on devrait laisser ce Drake. On peut pas le jouer de toute façon là. On est trop derrière. On manque de dégâts, de tankiness. On peut prendre cette lane. Ils ont envie. Renglief qui se fait alpaguer par ce Kled. Tout va bien. Le bon Q de la part de Troc, l'ulti de la part de ce Kled. C'est parti, les enfants. On va aller dans ce fight. Mais on recule côté rouge. On n'a pas envie. On a trop peur, ça fait trop mal. Coco qui enflant. Attention. Coco, c'est pas le bon endroit. Oh, le jeu d'entrée héroïque. Il y a tout qui a connecté, mais par contre, on a pas assez de dégâts, je trouve, du côté rouge. Et on est en train de se faire détruire. On se fait détruire dans la backline côté rouge, mais également côté bleu. Coco Terrico qui est lâché. Mais je n'ai rien dit. La team rouge qui arrive à refaire le café. Coco Terrico qui a démonté tout le monde derrière. Et c'est un triplé de sa part. Et c'était une magnifique engage, un quadra kill pour cet Akali. Et cette magnifique engage de la part de Vivi et de Renglief. On en parlait, hein. Impérial. Non, mais on en parlait, hein. Impérial. Et on en a parlé juste avant. Ce combo fait trop mal. Et tout le monde est. Enfin, il y avait 2 ou 3 personnes dedans. Je pense. Dedans, effectivement. Il y avait peut-être Lee Sin dedans et. Peut-être pas très. Les carrés étaient dedans. Les carrés étaient dedans. Et en résultat, ça, on prend le dragon, on prend la T1 et la régie qui se permet de flame le Lee Sin. Je lui ferai remonter cela. Alors, ne fais pas mieux. En effet, je reprends. Ces mots, je n'ai pas vu encore un bon kick de Slicin. Ne fais pas mieux. C'est Bio Silver et il ose parler. Je tiens à rappeler que Troc est militaire, donc il peut te soulever. Donc voilà, Lila qui se fait poke par ce petit baron. Et on se retourne vers le baron. Un peu trop tôt, non ? On a 10 stacks de Medjay. On a 10 stacks de Medjay sur cette Akali. Elle est monstrueuse, elle a des dégâts monstrueux là. Elle a repris de l'avantage. Et là, du coup, du côté de l'équipe bleue, il faut faire comme l'équipe rouge, attendre l'erreur de placement. Parce que là, on peut plus gagner le fight. On va se faire punir. On peut pas non plus rester groupe. Parce que si on reste groupe, Akali go, Jarvan go, Galio va go juste après. Et c'est Victor qui est pris. Regardez-le, il a peur. Mort, hein. Il est mort, c'est dommage. On va donner qu'il a Coco. Non, à ce parti.
Non, donnez le kill à Sparty, je vous en supplie. Donnez le kill. Voilà, c'est gentil. Et malheureusement, ça repush par la suite, côté mid lane. Mais en soi, un mid, c'est pas la mort. Après, on n'a pas beaucoup de dépush côté l'équipe rouge. En effet, pendant ce temps-là, Veracruz, second plan, qui prend la T2 bot. Et on s'en fout, on soit équipes. On n'a pas beaucoup de dépush. Victor est derrière, donc il fait pas de dégâts. Varus pour des push, c'est pas le meilleur. Ringlief, qu'est-ce qu'il fait là? Ringlief qui est au milieu de tout, mais Ringlief qui tank. Attention, Vivi. Vivi qui a pris deux personnes. Coco Terrico qui est sur la backline. Attention à ce Varus. Varus qui va sûrement mourir. Là-dedans, non. Ça tank quand même très bien. Le très long garde de la barre de Lila. Vivi qui retourne dans la mêlée. C'est parti qui essaie d'envoyer des petites pralines. C'est parti qui fait quand même mal, mon dieu. Et c'est la fin. Le militaire s'est réveillé. Et Troc qui a entendu. Le militaire se réveille. Le militaire aguerri. Bien qu'il soit suisse, donc en termes de guerre, il n'y a pas grand chose. Il est très neutre. Mais attends, pourquoi la Suisse est une armée? Ce pays ne participe jamais aux guerres. C'est une armée de défense au cas où. On ne sait jamais. Alors que dans leur montagne, ils ont des robots géants, mais ça, on n'en parle pas. Personne ne le sait. Ce sont des méca Toblerone, bien entendu. J'ai de la blague à la régie. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt? Le baron est toujours à 2 minutes 30 pour ce dragon. L'équipe qui aura ce dragon va gagner la partie. Ce dragon est l'objectif le plus important de la partie actuellement. Ça va être compliqué. Parce que là, les deux équipes sont assez even au niveau teamfight. Ça va être très compliqué de gagner un fight pour une des deux équipes. A voir comment ça va se dérouler. Attention, Ringlief. La régie qui nous parle des montagnes. Le problème de l'âme des montagnes, je réponds la régie. C'est que pour moi, elle n'est pas si forte dans cette composition-là. Ça donne juste un petit. Ça te donne un petit chiffre, mais c'est tout. C'est tout. Regardez Coco. Attendez-vous. Il cherche les flancs. Il a faim, Coco. Il a très très faim. Il le voit, Fire. Il est vu par cette pink ward. Il attire quand même beaucoup de monde sur lui. Le problème, c'est qu'il est out of pause, du coup. Et on va reprendre cette vision côté topside de map avec Nila devant. Du côté de Coco, on cherche les flanks, mais on n'arrive pas à vraiment à trouver Fire qui lit très bien dans son adversaire. Il sait que la Akali va chercher à le tuer. Il pose des wards et la Akali ne peut absolument rien faire parce que si elle go, Nila va. Attention, Coco, attention, ce route de la part de ce Varus, la stopwatch. On n'a pas de nul du côté de Varus. Non, c'est un zonier. Mais attention, on se fait cash derrière. C'est sur Coco et sur Nila. Nila qui flash. Nila qui flash par contre sur Sparty. C'est pas la meilleure idée quand même. Nila qui va mourir derrière. Coco qui est sur Fire. Fire qui va sûrement mourir. Fire qui n'a plus de flash. J'ai rien dit, il vient de flash. Au moment où j'en parle, Vivi peut-être qui va y retourner. Mais du coup, il n'a plus de flash en effet. Là, je vais regarder en dessous. Là, du coup, c'est l'équipe bleue qui allait trop loin. Elle a été trop en danger l'ennemi. Elle s'est fait punir. Et alors, la TP de Nether. Après, ils ne peuvent pas faire baron, mais. Et ils perdent la tour en plus. Est-ce que c'est un misclick? Je suis pas fan. Pas fan de l'idée non plus. Niveau laisser sa T2, bon, il aurait peut-être pris la T3, ce qui était plus problématique. Mais. Ah, mais il y a l'ancestral. Il y a l'ancestral, c'est pour ça. Le smart move. Mais par contre. Mais attention, la TP. La TP de la porte clade. Il est fou. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour ce clade. C'est catastrophique. Ah, et la ward va en plein. Attention, Coconarico qui prend très très cher. Est-ce qu'on peut faire ce drake? Oh, on va entrer héroïque en fait sur la botte, les Nether qui est en train de se faire bolosser par Troc. Fire qui est là également en train de faire. Ce dragon pour l'équipe rouge en 4v5. Attention. L'ultimate de la part de ce gangplank. Il n'y a plus de
Thresh qui vient de se faire atomiser, attention Vivi qui retombe dedans, il n'y a plus 3 personnes. Sparcy qui démonte tout le monde et il n'y a plus personne, il n'y a plus d'équipe bleue. On va prendre ce dragon ancestral et on va sûrement push mid lane ou bot lane. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de wave. Est-ce qu'on va chercher de la short du coup après ce... Non, ça back. Ça back un max, ça back un max. Ah non, 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 ça va, c'est la ping. Non, ça y va, on y va là, on y va, il n'y en a pas d'équipe rouge en face. Lune et Brispo. Ah, selon la régie, on est il y aura un massive out draft. Moi, je pense pas que c'est la draft qui pose problème, enfin, qui est out, c'est les connaissances de personnages. C'est-à-dire que l'équipe rouge connaît peut-être mieux ses personnages et permet de faire des choses comme ça, qui permet de retourner des fights. Alors peut-être que l'équipe bleue se laisse un petit peu de marge en mode on teste des personnages, et du coup, forcément, on est un peu derrière. Alors, je tiens à redire un truc qu'a dit la régie, en parlant des maîtrises de perso, il a dit Lee Sin point d'interrogation. Je tiens à dire que Trok est quand même un très bon joueur de Lee Sin, et la main. Donc tu vas te faire détruire à la régie. Ah, il a envie d'insulter les gens gratuitement, malheureusement. Ah, bah yes. Et je tiens à le dire, ce n'est pas P-Shot friendly. Il sera et du coup, donc, on travaille avec ce genre de personnes. C'est honteux quand même hein, de travailler avec cela. J'ai l'impression de travailler avec les pires pourritures possibles. Excusez-nous la régie. Et du coup, le push mid qui est en train d'être mis en place, tout le monde va venir sur cette mid lane. CDM sont ouverts pour toute insulte. N'hésitez pas à le ping sur Discord ou alors sur son Twitter qui a été mis sur l'annonce Twitter bien entendu de P-Shot. Et du coup, on a toutes les cartes en main pour push. Là, on peut jouer la game à notre rythme. Jouer la game à notre rythme, du coup, c'est de l'équipe rouge. On peut prendre la zone droite. Jardy, ils ont pas peur, ils veulent y aller sous T2. Ils veulent y aller, hein. Ça se sent, ça les démange. Hein. Vivi attaque. Vivi est prêt à déclencher la foudre. Coco aussi. Coco est caché dans l'alcove. Coco est pas vu, hein. T'as vu, on perd du temps, est-ce qu'on peut vraiment y aller? On hésite. Allez hop, on prend 7-2. Je vois plus. Le dive aurait pu être fait en effet, je plus soit ce que dit la régie. Il y avait une petite gong plank en plus hein, en support. Est-ce qu'on va vouloir prendre cet inhibiteur bot en plus de la T3? Peut-être pas trop green. On veut peut-être finir la game clean, pas trop grid, pas se crucifier sur un dive un peu hasardeux. Oh, on est aux Ina, aux Spichot, faut bien grid un peu, non? Faut grid un peu, mais il faut aussi montrer son meilleur niveau. Ah, les flashy plays, bien entendu, comme on parle à la régie, par exemple de Vivi. Attention, Vivi qui Coco, est prêt, c'est l'heure du best-of. Vivi qui a faim, Coco qui va quand même un peu d'ambigu. Les dégâts. Attention. Sur Unix. Le grab sur ce... Jarvan, mais rien, ils ne font pas de dégâts. Il est tanky ce Jarvan. Là, je vous dis, c'est le moment où Cocotérico va créer des moves pour son best-of. Hein. C'est le moment là. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Regardez Cocotérico. C'est le best-of. C'est le best-of. Ils sont en train de prendre la T3 mini là qui était quand même très devant. Vivi qui va dans l'entrée triomphale de la part. Osogalio. Cocotérico qui vient de détruire, il détruit tout le monde, Cocotérico, il est en train de détruire tout le monde. C'est ce cataclysme de la part de ce Jarvan qui a crucifié l'équipe bleue. Double kill de la part de Cocotérico. Neos Party était en 1-4, il est désormais en 9-5-6, il est room dans le game. Et je le tiens à le dire. Impressionnant niveau des deux équipes. Oh, la double stopwatch, peut-être que Cocotérico va s'en sortir, oui. Rengliev qui va à son secours et... la mid lane et l'ADC de la part des Belugas qui font le show. Bon, Unix qui n'a pas passé une bonne partie, on va pas se mentir. Il n'a pas eu de chance de trouver contre la Akali. La Akali de Cocotérico. Il l'a pris cher. Il l'a pris cher. Et bien sûr, il... Les dégâts d'énergie. Nous voulons bien les dégâts et... cette team Cocotérico qui
Il confirme son statut dans mon cœur. On pourrait peut-être prendre des gens d'ailleurs par la suite après notre de Resume the Game pour les interviewer. Qu'en penses-tu? J'ai pas préparé de questions, mais on peut. Le graphe est très violent. La Kali qui a détruit tout le monde dans cette game. La Kali qui a bien rendu le flambeau, mais le problème c'est que le Victor n'était pas là en termes de dégâts et ça s'est senti à force dans les fights. Le Victor a été mis au fond. Les ganks early du Germain n'ont pas mis bien. Donc ça s'est ressenti forcément dans les games. On était pratiquement sans critiquer le joueur en 4v5. Il était au fond, il ne pouvait pas faire grand-chose. Cette équipe bleue, on a essayé de faire au mieux. Mais malheureusement, l'équipe rouge était trop devant. Ils avaient trop de burst, trop de tankiness. Le dragon ancestral n'a pas aidé en plus le Nashor. Donc on s'est fait atomiser finalement du coup de l'équipe bleue. Même en si effet. L'équipe bleue avait quand même un bon niveau, on va pas se mentir. Il y a eu une bonne résistance de l'équipe bleue quand même. Hein. Bonne résistance. Ils ont gagné plusieurs fights. Le Lee Sin qui est un moment dans le game. C'était le Kled aussi qui était bien. Il y a le Varus qui était bien aussi. À un moment, l'équipe rouge s'est fait un peu peur, je pense. Elle s'est reprise. Elle est en mode, on a une meilleure composition. C'est un B. Alors, est-ce qu'il joue les 3 games? Ou c'est un BO5? Non, pour moi, il joue les 3 games vraiment. Je vais demander confirmation en dessous. Je vous laisse meubler, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Je meublerai. Je vais directement dans les salons. Où sont-ils? Ils sont là. Et du coup, je suis là tout seul pour animer la suite. La régie peut se démute. Je demande. Passe de bons moments ici. On est plutôt bien installé.
deuxième et dernière game, normalement. Je dois sauver le bishop sur House. Et Sparta est une dernière game. N'a pas été tendre avec toi, ce n'est pas de chance. Tout à fait. L'été, bien sûr. Quand on l'été, dans la saison que je déteste. Et arrive à trouver de plus en plus un moyen de contourner les fights et de prendre l'avantage, mais qui se crucifie quand même de temps en temps. Du coup, est-ce qu'ils vont gagner la partie? J'espère. Ça serait incroyable. Un baroud d'honneur. Ils foncent dans le tac comme des barbares et ils gagnent. Tels des Spartiates qui rentreront dans le tas malgré une logistique évidemment plus forte du côté de l'équipe bleue. Allez, on va voir. Est-ce qu'on va ban des choses? Est-ce qu'on va réessayer les mêmes compositions? Est-ce qu'on va prendre juste... Est-ce que peut-être qu'ils nous réservent un truc en mode on va rien ban et on pique tous nos mains? Peut-être. Ce serait incroyable, sachant qu'il y a des autophiles. On prend nos mains, s'ils prennent leur main, nous avons un main Soraka. Enfin, une main Soraka, pardon, excusez-moi. J'espère pas, en tout cas. C'est un ban de Jayce. Ah, la régie qui hurle. La régie qui nous casse les oreilles pendant que nous on essaye de se concentrer sur la phase de draft. Ah, on nous demande de monter un peu le son, je sais pas si tu l'as déjà fait. En effet. Quand je parle trop bas, c'est ça encore? Ban de Zac, et du coup, encore une fois. Ban de Zac, Chase. Ban de Jayce, ban de Zac, deuxième ban arrivé. Ban de Volibear. Encore une fois, ça ne bouge pas. On a peur de ce Volibear du côté de Rico. On va reban ce Philosic. La jungle qui est vraiment très focus hein, quand même du côté des deux équipes. On a toujours ban ce Olivier, on a toujours ban ce Zac, on a ban ce Jassic de 2x3. On ban la Senna. Le ban de Senna. Fire. Peut-être un ban d'Akali ou de Kai'Sa. Trèche de Régliev. Du coup, Trèche n'est pas disponible en première rotation, il n'est plus disponible du tout. Nautilus, un autre perso à grab. Alors, Nautilus, jungle ou support? Ce sera support. Nautilus jungle revient, je crois, non? Bah, il s'est fait up son E qui lui permet de clean plus vite. Donc, il y a peut-être moyen de le flex. Surtout que ça marche très bien en équipe. Mais est-ce que Vivi la joue? Enfin, le joue, pardon. On sait pas, Nautilus, c'est peut-être une fille. Non. Et Kai'Sa. Kai'Sa qui est pris pour Fire. On ne veut pas laisser la Kai'Sa de ce parti. On ne veut pas. Et. Qu'est-ce qu'on voit du coup? Alistar. Alistar, ça marche toujours. Hein. Kai'Sa Alistar, très 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 fort. Comme combo. Est-ce qu'on va chercher comment déclarer du côté de l'équipe de Cocotérico du coup? Et la Soraka. Qu'est-ce qu'on peut mettre en réponse à Kai'Sa? On peut peut-être envoyer. Xayah. Ouais, Xayah, j'ai pensé. Xayah, compteur naturel à Kai'Sa. Ouais, je vois pas d'autre chose d'aussi fort que Kai'Sa à part Xayah. Tristana, c'est un peu moins fort en ce moment. Wow, Samira, on va pas en parler. Ah, Samira, quel bon perso. Pas. Je l'adore. Galio. Galio. On va rejouer côté teamfight encore. Hein.
côté, alors, team, si on... côté Rico. Un midliner ou quelque chose, on aura, on sera sûr d'une chose, c'est que ce Nautilus est 100% de jungle. La Cassiopeia. La Cassiopeia. Et en effet, ce Nautilus est jungle du coup. Nautilus est jungle. Ou attention. Ou Cassio. Cassio bot. Cassio Nautilus bot, ça peut casser certaines gueules quand même. Après, est-ce que Neos Party joue Cassio? Je crois. Ah. Je suis pas sûr. Sylas qui est pris. Et c'est un très bon pick, Sylas, vu les trois ultimes d'en face déjà. Oui. On peut empêcher un ult du Galio, un grab du Nautilus ou un bon ult volé de la Cassio. On va ban le Urgoth. Encore une fois. C'est Urgoth fait peur. On a des picks qui font extrêmement peur du côté des deux équipes. Ça se sent. On va ban le Gnar. Gnar, un bon top laner hein, qui est toujours aussi fort. Ban le Gnar, donc peut-être GP. Peut-être GP. Peut-être Darius. On ne sait jamais. Renekton. Ban de Draven. D'accord. On a peur d'un Draven ou si je ne savais pas quoi ban Je ne connais pas le Draven de ce parti. Pourtant, je l'ai pas mal support pendant un moment et en effet, je ne le connais pas. Peut-être un secret pick. Il est inconnu au bataillon, en effet. Et pour les fans d'SNK, il est inconnu au bataillon d'exploration. Le ban Kled. 300 euros pour le bataillon d'exploration. Putain. Cette référence, j'ai beaucoup aimé. Et la Sejuani, peut-être. À moins qu'on nous bait. Ils aiment bien nous bait. Et la Sejuani. Je verrais bien Gangplank là-dedans. Là. Alors, on a Sejuani qui marche très bien avec Sylas. Mais du coup, on devrait prendre... Ah non, ça marche plus comme ça, Sejuani, je crois. C'est-à-dire la marque, est-ce que la marque se stack toujours avec les persos corps à corps de l'équipe? Je crois. Il n'y a pas eu un changement sur ça, justement? Alors, là, on est dans le flou. Va où entre Cassiopeia et Yone? Non, mais vous n'avez pas pick Teemo, là, quand même. Oh, si. Le Teemo Cassio. Ça va être le Shaco. Quel beau va sourire être... de Shaco. Pirate de Nether. La composition de l'équipe de Cocoterico, je vous le dis maintenant, elle me fait très mal à la tête. Ouais, et moi, je l'aime bien. Et du coup, je reste sur mes prédictions. C'est-à-dire Cassiopeia bot, Yone mid, Nautilus jungle. Ouais. Et par contre, la team de Coco en fight va être impériale. Lila, Renekton. Contre ce Garen. Après, on a le Sylas. Imaginez Sylas voulait un nul de Garen. Ça se calait avec la paix. Ça peut détruire la question. Chercher un nul de Yone, ça peut faire mal. On peut regrouper l'équipe adverse, mettre un nul de Yone par-dessus. On m'aura fait mentir. Nether, Rengif qui reçoit. Je comprends pas ce qui se passe. Gef qui va top, Nether qui va support, potentiellement un swap de rôle. Swap rôle. Ouais, c'est un. Non, c'est bon, bait. C'est un. Yone, mais du coup, Yone Galiobot. Contre Kai'Sa à Lispar, ça me semble très compliqué quand même. On va pas trouver les agros. J'aurais plus vu la Cassio, plus vu la Cassio bot. Ouais, j'aurais vu pareil. Ah ouais, voilà, il est sur le dernier moment. Et j'avais lu la draft dès le début. Le jungle a été... Cool. De ta part, en effet. Ça sent l'invade hein, du côté de l'équipe de Cocoterico. On a de quoi aller chercher l'équipe Unix. On a un bon niveau 1, quand même. Bon, du côté des deux équipes, on a quand même un assez bon niveau 1. Et mon cher Sparta, je vais te poser la fameuse question. Actuellement, pour toi, est-ce qu'il y a une composition qui te tape plus dans l'œil que l'autre? Oui. Je reste sur mes acquis, hein, bien sûr. La team Cocoterico, toujours. Je pense pareil. Hein, ils ont un teamfight assez monstrueux. J'ai l'impression que l'équipe de Unix aura plus de mal à se mettre en place. Même si on a un peu de tout, on a du temps, on a du carry.
on a du scale, on a de l'early, mais ça me semble compliqué de mélanger tout ça, de mettre ça dans un shaker et de sortir quelque chose en face d'une composition basée sur le teamfight de l'équipe de Cocoterico, avec ce Yone, ce Cassio, ce Galio. Il faut faire attention à ses placements, attention à la vision. King, dès que le Galio part de la botlane, peut-être, faire gaffe au gang du Nautilus, parce qu'on sait que le hook de Nautilus, bon, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non. Et pour les gens amateurs de foot, bien entendu, au cas où, Chelsea vient de gagner la Champions League face à Manchester City. Et tout de suite, la rubrique politique de notre journal. Alors non. Non, je serais trop borderline là-dessus, je ne peux pas. Mais en tout cas, encore une fois, grosse compo de fight côté Team Cocoterico. Et pourquoi pas plus une team de catch côté Team Unix ? On va jouer le catch. Du côté de l'équipe Unix, on va jouer le catch au maximum. Du côté de l'équipe de Cocoterico, on va jouer le team fight. On va ward un maximum. On va punir les erreurs de placement, les erreurs d'escarmouche. Si un joueur de l'équipe Unix s'aventure trop loin, puni. On a de quoi le punir, de quoi le one-shot. Attention, d'ailleurs, si jamais l'équipe Unix veut prendre un teamfight, a bien zoné cette question pour voir qu'elle mette un ult dévastateur et plus personne ne peut bouger. En effet. On va voir ce que ça donne dans moins de 30 secondes. C'est une Ospichot qui tient ses promesses quand même en termes de niveau. Ouais, les games ne sont pas faciles. Il y a du vrai combat. Et ça, c'est bon. On aime ça. On aime voir les joueurs se battre autant pour la victoire. Ça fait plaisir. En effet. Et bon, ça se bat beaucoup. Ça grille. Ça tente des choses. Et j'aime ça. Personnellement, j'aime beaucoup ça. Et du coup, tu avais quoi une potentielle invade côté Team Cocoterico? Oui, je pense qu'on va. Ça fait quand même deux games où ils invade un maximum. Donc là, je ne verrai pas pourquoi ils le font, sachant qu'ils ont un personnage avec un hook tri illégal. Dévastateur, en effet. Dévastateur. Est-ce que ça a voté côté prédiction? En effet, 5K sur Cocoterico et 2K3 côté Troc. Les viewers qui sont plus aussi côté. Team Cocoterico, j'ai hâte de voir ça. On va voir ça, on arrive dans les games. Nous parlerons des runes quand on sera dans un game, des summoners quand on sera dans un game. Ce sera plus simple pour les viewers, enfin pour vous, le peuple, les viewers, de voir. Quelle médisance! De voir des commentaires. Les péons. Les Gragas péons. Lequel? Ah, je ne savais pas. Il est là, il est beau. Il a une salopette. Du coup. Oui, je vois. Gragas paysan, d'accord, je vois. Mais il s'appelle péon. Paysan allemand. Et du coup. Dans l'oreillette. Cette botlane de l'équipe Unix qui va ne pas avoir de heal, mais avoir un exhaust. Pourquoi pas? Hey, est-ce que... Ça veut se fight, quoi. Ouh, attention, Nila. All invade, attention, Nila. Attention, tu les vois. Tu les vois pas, tu ne les vois pas, tu ne les vois pas, tu ne les vois pas. Flash. Alors... Au revoir, Nila. Plus de flash. Et ça fait mal. Moi, je vous dis, si on était vraiment sous Deina ou ce pichote, on aurait flash le mur à 5 et on serait allé chercher ce support. C'est vrai que je suis déçu de la part des joueurs pichote. Enfin... Actuel. La régie qui est perturbée car le Nautilus est jungle. Merci la régie d'avoir 30 minutes de décalage entre nous et ton cerveau, ça fait plaisir. C'est honteux, on ne se sent pas écouté. On ne se sent pas écouté du côté du cast. Le Sylas qui va démarrer avec un saut noir, donc un Sylas agressif sur cette mid lane. Un Sylas qui va chercher les agressions, qui va chercher les kills assez rapidement, qui va essayer en tout cas de match le Yone de Cocoterico. Alors, le Yone de Cocoterico, pour l'avoir vu quelques fois, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. En effet, c'est quelque chose.
oui. Et point. Fact intéressant, Cassiopeia, la petite armure de base, selon la régie, ce serait le pire moyen de la. Les pires choses de la sortir botlane, et je ne trouve pas. Car elle est quand même bien pantéchée par ce Galio. Et surtout que ce Alistar n'a pas de flash. Ça risque d'être plus compliqué. Elle peut pas encore prendre de trade, mais oui, elle en prendra. En effet. Trade arrivons plus tard. De toute façon, tu ne veux pas essayer de trade en botlane vu que tu as le temps de scale avec Cassio. Alors, top lane, bon. Renekton, pour avoir fait le matchup en tant que main Garen, c'est pas drôle. On se paraît dans les pires solo queue. C'est exactement ça. Le Garen qui va se faire trade, il peut pas trop match le trade en early. Il devrait pouvoir le faire quand il aura récupéré. Est-ce que ça va être un Garen équipe ou un Garen solo queue? Garen solo queue. Garen solo queue, Berserk. Berserk, Eviscerator, etc. Ah, je pense, en effet. Peut-être même une lame tempête, on sait jamais. La vision qui est prise par ce parti, attention, Nila qui veut y aller, qui se ravise. Et on sait où est cette. Comment ça s'appelle ? Ça, c'est Joanie, grâce à la ward. Mais du il coup, se fait retrade encore. Ce Nautilus qui a fait son bleu, son rouge et son red, qui n'a pas clean ses corbins. Nautilus qui veut trouver un gank peut-être ? Il va essayer de. Ah, il vole Carapater. On a la pression mid lane, Cocotrico qui peut venir. Trok qui va potentiellement y aller. Trok, attention. Trok, c'est une très mauvaise idée ce que tu es en train de faire. Attention. Trok qui prend quand même quelques dégâts. Le force blood pris en top lane, le flash de la part de Vivi, mon dieu. C'est loin. C'est du hint de la part de Vivi. Fire qui prend le kill. C'est désastreux. C'est désastreux le flash in, beaucoup trop de flash in. On y est retourné. Attention, Cocterico qui prend comme un kill sur Trok. Ben Gief qui va mourir. Le flash de la part de, Smart, de Fire. Ça ne va pas le sauver, hop, malheureusement. Deux kills sur cette Kessa. Deux kills sur cette double buff sur cette buff. Elle va pouvoir. La question qui va elle pouvoir peut extraire farm, quelques fragments. Le E qui permet de farm. Le E de Cassio qui permet de farm. Tant qu'elle tue une unité, son coût en mana du E est reset. C'est plutôt pas mal. Donc c'est tranquille. Hein. Elle a rien c'est perdu, Cassio. Attention, ça fait gank potentiellement. Non. On a cette Kessa à 2-0. Mais on a aussi deux stacks de saut noir sur le Sylas. Donc la décale du Sylas qui est c'est worse, hein, deux assists, deux sauts noirs en plus. Attention. Donc, Dizit, elle est un peu loin quand même, hein, sur cette action. Ouais, bien sûr, hein, il allait vraiment loin. Le flash-in, j'ai pas trop compris pourquoi. On avait peut-être pas l'info de la décale de la botlane où on l'a eu trop tard. Et non, là, il a aussi fait un double buff. Oui, surtout je pense que elle n'avait pas vu que Coco était en avec son Z, son rouge, je ne sais plus le truc, sa forme chelou. Ah oui, sa forme, oui. Oui, le. Je pense qu'elle ne l'avait pas vu. Alors que ça fait une jolie musique. C'est faux. Attention, NGF. Et encore deux kills. On peut pas se permettre. Deux kills sur Alistar. On peut pas se permettre d'être aussi loin sur les lignes alors qu'ils ont double buff. En effet, surtout que Sparty n'a plus de mana. Et potentiellement, Sparty va se faire dive. Back vite, c'est parti. Ah, j'aurais dive. Je vous avoue que mes tendances de support beaucoup trop agressif, j'aurais dive. Plus de flash sur cette Cassiopeia. Cassio est morte. Je suis sûr qu'elle s'est fait dive. Oui. Regarde, est-ce que la régie peut montrer où elle est morte? Viteuf. Avant que Ulix se fasse bolos. Ouais. Attention mid lane. Plus de flash sur ce Sylas avec la régie qui dort. Voilà, la régie qui wild en disant je touche tous les tours. Non, il faut être actif. La régie qui se rend compte qu'il y a des gens qui ont un meilleur niveau que lui dans le jeu vidéo. Il se fourvoie, comme d'habitude. Par contre, 3 cagoles d'avance pour l'équipe rouge. C'est la première fois qu'ils sont si haut. S'ils perdent pas leur avance et qu'ils déroulent le jeu, qu'ils arrivent à dérouler continuellement cette game comme. Enfin, qu'ils arrivent à dérouler la game comme ça, ça peut annoncer que du bon.
un 6 pour cette équipe rouge. Drake des montagnes en leur faveur. Équipe rouge qui nous offre un early. Clean. Clean. Le mot que je cherchais est vraiment clean. On va prendre la c'est plante. Ça, là, on et par contre, il va falloir faire attention. Ah, la régie qui essaie de faire des blagues. Clint Eastwood. Il parle trop. La régie qui whine parce qu'on met en avant le fait qu'il essaie de faire des blagues. Attention quand même, ce Renekton qui reprend le bleu. Au nez et à la barbe de l'équipe bleue, ce qui va mettre mal ce Nautilus quand même. Hein, qui est en retard. As-tu ce qui botte? Est-ce qu'on veut vraiment gank cette bot lane? Et la seule lane qui est dans le mal actuellement, à peu près, hein, une interruption sur Kaisa plus le Alistar, on dit pas non, mais est-ce que Kaisa et Alistar vont s'avancer? Est-ce que. Oh, attention, oui, Nila. Oui, il s'avance. Il s'avance, Nila. Nila, il s'avance. Très bonne flaque de poison sur ce Alistar qui va potentiellement mourir. Il faut le tuer. Et non, pas assez de dégâts. Et si, j'ai rien dit, excusez-moi, c'est parti qui prend un bon shutdown. Cette Kaisa qui est toute seule sous sa tour. Retourne battre vite. Tout va bien. Elle s'est sauvée grâce à son mission ultime. On a vu sur les minimaps le fait que Rengief était parti en avant. Attends, on a vu un snipe sur cette vie. Ouais, on a vu du côté de ces Nautilus. Est-ce qu'on va pouvoir contrer le back? Non. Ça trade mid, mais Sylas qui trade mieux que ce Yone actuellement. Il faut de l'anti-heal dans cette game du côté de l'équipe bleue. Il va falloir en acheter. Geralt qui se fait pendant ce temps-là. On est plutôt bien. Attention, c'est parti. Nila arrive. Rengief qui va potentiellement faire quelque chose. Rengief qui zone. C'est parti qui retourne. C'était du suicide, ça, côté de c'est parti, non? Ah, on a voulu. Et en effet. On a voulu. Rengief, il va falloir partir. On a eu le sentiment de faire Kaisa, mais on manquait de dégâts. Cette Kaisa qui est maintenant en 4-0. Ça va faire mal. Elle est plus que bien, cette Kaisa. Plus que fed. Et en fight, ça va faire très peur. Vivi qui retourne mid, encore une fois. L'ulti de la part de Coco Terrico qui a été flash par Unix. L'ultimate de la part de cette Sejuani qui a été esquivé par Coco Terrico et sa forme je ne sais quoi. Forme éthérée. Forme spirituelle. Spirituelle, j'étais pas loin avec l'éthérée. Nila qui se dirige mid. Qu'est-ce que ça? C'est un gank avec la grenade ASM de la part d'Unix. On a beaucoup de vision du côté de cette équipe rouge sur cette lane. L'équipe bleue, on n'a rien. On a pas grand chose du côté de l'équipe bleue. Hein. On a une petite ward au-dessus de Coco. Lif qui joue très bien. Agression, attention, Coco Terrico qui va potentiellement se faire rattraper. Non. Nila a été cancel. Et Vivi qui retourne mid. Vivi qui a envie d'asseoir sa domination mid lane, qui a été vue par cette petite ward. Il y a toujours sa grenade ASM. Et pendant ce temps-là, on a le retour de Sejuani et de Lissar sur cette mid lane. Attention à la grenade ASM de la part de Unix. Unix qui met la grenade ASM. Nila qui vient de faire flashing, qui met son combo. Coco Terrico qui va arriver à s'enfuir. Oh, attention à ce Alistar sous tout. Ah, Alistar qui était. Non. Tout va bien. La volonté de faire qui carry. On va poser le héros. Est-ce qu'on va chercher Rengief qui est là. Rengief qui est là ainsi que Sparty. Il va falloir choper quelqu'un. Il y en a qui est low. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre une engage maintenant? Ça me semble compliqué pour cette équipe bleue. On avait le regard de la Méduse quand même. On a le regard de la Méduse, mais là on décale. On laisse la Kaisa toute seule, déjà que la tourbot est entamée. Kaisa qui se met plus que bien. 400 gold de bounty. Et je voudrais bien un petit point gold. Merci. Mais tu le faire, mon ami Sparta. Et donc, tu le feras toi. D'accord, eh bien, si on parle de gold, on a une différence de 3000, à peu près 1200 gold sur la top lane, 75 CS contre 100 sur Nekton qui domine sa lane, le match-up en sa faveur. Dans la jungle, on a 800 gold d'avance pour cette Sejuani et ça se ressent le fait. Je t'interromps, excuse-moi, le magnifique regard de la Méduse qui permet de mettre
tout le monde d'accord, l'ultimate, l'entrée triomphale qui redescend. Ringlief qui va prendre très très cher, attention, cette Kessa qui va sous pour le flash-in. Là, stoppage de la part de Ringlief, le shutdown sur ce Nautilus, la TP de la part de Nether sur ce Nila. Nila qui va potentiellement mourir, on va peut-être laisser le kill à ce parti. Non, c'est là. Le Riptide, là, je ne sais pas comment dire en français. Attention, Kotariko qui prend cher, Coco qui arrive à reprendre un kill sur Unix. Et là, les... rebouge côté bleu cette fois-ci. L'équipe bleue, ouais, qui se rebouge. Tiens, le dragon qui va être en leur faveur. Et je vais continuer le petit point gold pendant ce temps. Bon, du coup, l'écart en jungle est revenu en faveur de ce Nautilus. Sur la mid lane, 300 gold pour ce Yone, qui a repris l'avantage avec le kill qu'il vient de prendre sur ce Sylas. Sur cette bot lane, on a 1200 gold d'avance. 300 pardon d'avance sur cette Kessa. Attention Coco qui s'est fait manger. Qui s'est fait crocodiled. Et ce crocodile va prendre cette bourre. Et du coup cette Kessa qui est en avance sur cette Cassio. Et enfin pour les supports, une petite avance pour cette Alistar. Mais du coup ce Renekton en 2-0. Faut pas trop le filer sur Renekton parce qu'il peut facilement détruire la backlane. Vivi qui va sur Dila, Dila qui vient de se faire grappiller, qui vient de popper sa volonté de faire. Nila qui va se refaire stun, Nila qui est dans les miasmes, Nila qui tank grâce à sa volonté de faire. Alors, très fort comme ultime. Très, très beau volonté de faire. Et en plus, le Nila a bump le Galio pour empêcher le Galio de taunt la Kessa. Et je pense que c'est ce qui était recherché du côté de l'équipe bleue. Oula, j'ai du mal. Hein. C'est dans un game, c'est compliqué. Stun sur cette Kessa. Un stun sur cette Kessa pour pouvoir chercher. Et la vision qui est en faveur de l'équipe rouge. Partout où on regarde, on voit des wards rouges, mais pas beaucoup de wards bleus. En effet, ça prend beaucoup d'informations. Le bleu qui est en train d'être fait. Est-ce qu'on peut défendre du côté de ce Galio ? Non. C'est vrai, ça jungle au nez à la barbe. Une fois, attention, Nether, ce Renekton il fait très peur. De niveau d'avance, est-ce que la régie peut nous donner les timers des... Ah oui, des objectifs. Des objectifs. Il a oublié, c'est honteux. Il ne sera donc pas payé, déjà comme nous ne sommes pas payés, bien sûr. C'est tout à fait, on nous a demandé de lui payer dommages d'intérêt avec ses 5k gold d'avance côté rouge. Au côté Rico qui est entre 3 personnes, Renekton, Sayla, c'est Sejuani. Sparty qui essaie de se retourner, qui essaie de zoner Nila. Fire qui prend très très cher. Fire qui vient d'ultime. Attention Fire, mais on n'a plus la vision dans ce bush. On aurait fait quelque chose d'autre. Attention, trop qui va très loin. La grenade SM qui est prise par la part de Unix. Unix qui est en train de se faire comboter par Cocoterico. L'entrée triomphale de la part de Galio. Unix qui ne mourra pas si Unix qui meurt. Galio. Cocoterico, pardon, qui prend 2 kills sur les combios de la mêlée qui va potentiellement tuer ce Nautilus, pardon, j'ai envie de dire Galio, ce temps-ci, au secours. Et 2 kills sur cette escarmouche pour ce Yone. Et ce Yone qui se remet excellemment bien. Et du coup, ce squelette qui perd ses sacs de saut noir. En effet. Et du coup, ce Yone double buff, ce Yone qui, avec sa force spirituelle, a pu mettre un maximum de dégâts. Avant la fin de sa force spirituelle, il a ult. Très beau combo de CC, mais c'est très dommage. C'est le Galio qui prend ce kill. C'est dommage. C'est très dommage. Ça aurait fait du bien en plus à ce jeu. Kokoteriko a tempo à Miramaxon de dégâts avec son E, et avant la fin de sa tempo actuelle, il a mis un ult qui a permis au Galio de faire une entrée héroïque sur deux ou trois personnes. Qu'est-ce que c'est que ce TP d'Unix ? On a voulu chercher le Galio. On l'a potentiellement acheté au milieu de la game. Hein. Il y a peut-être un virement PayPal qui est parti. Parce que là, je la trouve très bizarre cette TP, surtout qu'il était sous la thermide. Alors, moi, je pense que c'est la fatigue. Parce qu'on n'en parle pas assez. Il est 23h30, mais je pense que les gens ont une journée un peu remplie. Et jouer 3 games de League of Legends avec une équipe aléatoire, parce que je pense que les équipes sont faites de façon aléatoire. C'est compliqué, c'est fatigant. Non, il y a un certain équilibrage quand même dans les équipes. Oui, c'est assez équilibré en soi.
Mais elle se pourrait faire de façon aléatoire, c'est avec des gens avec qui t'as pas l'habitude de jouer. Oui. Donc c'est fait très fatigant. Et du coup, on peut excuser quelques TP un peu hasardeuses. Et le gel est les mythiques qui sont tombés sur toute l'équipe, l'équipe rouge. Et ça, c'est une signification d'une domination. Et ça se voit aussi à l'écart en gold. 4K gold d'avance maintenant pour cette équipe rouge. L'écart qui se réduit, hein. On est à 5. Qui se réduit, mais... On a quand même 5 mythiques du côté de cette équipe rouge. Et du côté de l'équipe bleue, on en manque. Nous, on a encore besoin de, pardon, de quelques mythiques. Notamment pour ce Nautilus et ce Garen. En effet. La cape solaire qui arrive. Attention, NBF qui est sur ce Redector. Redector qui se retourne. Cocoterico qui arrive. Ce Redector qui est en train de se faire détruire. La grenade ASM qui a été mise en place. La TP de la part de Nether qui arrive. Attention, haut de tank. Et c'est statu quo. On n'arrive pas à tuer ce Renekton alors qu'on met tellement de choses dessus. On met la grenade, l'ult, le Lyonnais. Et grenade ASM, l'ulti Lyonnais en effet. J'ai très envie de dire grenade ASMR aussi. Attention Fire, le bon flash de Fire qui a été pris dans ce bush. On veut se battre pour ce Drake Infernal. Est-ce qu'on va tenter de voler? Le Renekton est mort sous la T3. Alors, est-ce qu'il va avoir un flash regarde la Méduse de la part de ce parti? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va tenter un truc du côté de l'équipe bleue? Attention à ce petit... Sagesse qui se fait détruire. L'entrée héroïque sur 3 personnes, sur 4 personnes, même le taunt sur 3 personnes. Attention, le regard de la Méduse sur une personne, sur 2 personnes. Même attention, ce parti qui a été exhaust. Ce parti qui prend très cher. Cocoterico qui remonte dedans. Cocoterico qui se bat comme un diable contre toutes ces personnes. Je perds ma voix au secours. Tout va bien, Cocoterico qui est toujours... dans le tas Cocoterico qui se fait stun, c'est beaucoup trop long comme pseudo. Et le fight qui se termine, 4 morts pour l'équipe bleue et 2. On manque d'anti-heal du côté de l'équipe bleue. Ouais, je suis mal. Ah, le Sayla, ça a bien tempo, il s'est régène tellement. Le Yone a pas pu le tuer. On a perdu le Drake. On a eu un misplay de positionnement du côté de l'équipe bleue. Et là, on va entamer cette T3 du côté de l'équipe rouge. On y va. On va pas la prendre. On va pas la prendre, mais on l'entame déjà pas mal à 19 minutes. C'est un bon early en tout cas qui se termine maintenant pour l'équipe rouge. Et là, l'équipe bleue devrait commencer à faire des choses. On arrive dans les moments où Cassio est censé, avec son Landry, infliger un maximum de dégâts, ou Garen avec. Son illustrateur qu'il devrait avoir bientôt peut chercher peut-être la Kaïssa, mettre une justice de Demacia dessus. C'est bien c'est justice de Demacia ou beaucoup de Demacia? Je ne sais pas. De 1, je ne joue pas Garen et je n'ai pas le jeu en français. Donc je ne pourrais pas te dire, je t'avoue. Mince. Est-ce que la régie le sait? Est-ce que la régie peut nous faire un... la régie qui s'est endormie. Est-ce que la régie peut nous dire le nom de l'ultimate de Garen, s'il vous plaît? C'est bien justice de Demacia. Ok. Merci la régie. Est-ce qu'on peut avoir 300 000 points sur un personnage, mais ne pas connaître le nom de son ult, si c'est possible? Tu as 300 000 points sur Garen? Oui, j'ai 300 000 points sur Garen. Je dois avoir 2 millions de dégâts avec mon E, grâce aux éternels. J'ai envie de partir. Je vous le dis, à vous, viewers. Arrêtez, c'est bon. C'était illégal avant, maintenant Garen, ça va, c'est plus illégal. Est-ce que nous pouvons avoir un petit point gold? Que tu feras cette fois-ci, Sparta. Point gold, c'est de mon côté. Attention, ça se bat midlane par contre. Attention à Fire qui est dans la backline qui vient de tuer, c'est parti. Juste avant, nous avons eu le kill de ce Sail. Attention à ce parti qui prend très très cher quand même. La double grenade d'ASM qui a été claquée. Fire qui vient de mourir. Nether qui vient d'arriver dans le tas. L'ulti de Trog sur ce Rainleaf qui vient de mourir. Attention, deux tanks contre deux tanks. Ça commence à être vraiment passionnant. Vivi qui va sûrement mourir. Nous avons encore la justice de Master. Nether qui va dessus. Nether qui vient de la bombe. C'est dommage. Qui vient tout de suite de survivre. Attention, Cocoterico qui arrive. Cocoterico. Le Renekton qui arrive. Fuyez tous. Renekton qui va dedans. Et maintenant, il peut se permettre d'aller dedans. Grâce à son Ignite. Ah, le chroma de ce Renekton est vraiment très bizarre. Et tu vois, j'avais raison sur l'itemisation de Garen. Garen solo queue, du coup. Ben voilà. Alors, point gold, du coup, si vous... Meurs du tic, je vais le voir. Merci.
Si, la régie. Le point gold, bonsoir. Nous avons 3000 gold d'écart côté de la top lane. Nous sommes à 1300 gold côté de la jungle. Côté Sejuani, nous avons 2000 gold d'avance pour ce Yone. Quasi. Oui, 3000 gold d'avance pour ce Kaisa. Et 2000 gold d'avance pour ce Alistar. Donc il y a quand même une certaine domination de la part de l'équipe rouge, sauf midlane. Nous avons l'habitude. Kokoteriko qui s'est pris une petite interruption qui a mis qui a creusé cet écart au gold. Mais si on compile tout ça, on est quand même sur 6K. Kokoteriko qui tue encore. C'est d'ailleurs. Yone qui est bien dans sa game. Yone 8-3. Yone qui commence à faire des dégâts. On arrive dans le moment où Yone scale, arrive à son scale maximum, à son power spike. Il doit avoir son arc bouclier, je pense, plus peut-être une lame d'infini. Régie, on peut avoir les items. Et le Nash ouais, est en train de faire la lame d'infini du coup du côté de ce Yone. C'est Johnny qui est beaucoup trop loin. Unix qui va vouloir le prendre. Ce serait incroyable. Unix ? Non. Pendant ce temps-là, Renekton qui prend la T de bot. Est-ce que ce Nashor qui va leur permettre de gagner un peu de temps, je pense. L'équipe bleue. Et on va jouer le dragon instantanément. Du côté de l'équipe bleue, on peut le faire. Gara n'est pas là, mais on a Yone, on a le principal DPS de l'équipe. Ultimate de la part de 7. C'est Johnny, c'est parti pour un fight. Attention à nos parties qui vient de se faire détruire. Le Renekton qui est dans la backline qui est en train de démonter. Ce pauvre, excusez-moi, Yone. Attention dans la backline également, il y a Nether qui a essayé de tuer Troc, mais c'est impossible, il y a trop de dégâts. Trop de dégâts côté Fire qui clean tout. Mais c'est un fight à l'avantage, et je trouve mal pris de la part de l'équipe bleue et à l'avantage de l'équipe rouge qui vient de faire 3 kills. Il n'avait pas ulti Yone. Yone en effet. Et c'est Kessopia qui n'a pas eu le temps d'ulti. Yone s'est fait CC, il n'a pas pu DPS avec sa forme spirituelle. Malheureusement, ça s'est ressenti. Qui est mort juste après par le. Enfin, non, Yone n'est pas mort. Mais du coup, Renekton qui est dans la backlane, il a mis d'innombrables dégâts. Et du coup, il perd ce dragon. Et on est sur un dragon de Damoclès pour l'équipe bleue. Donc, attention, la main infernale peut faire très très mal dans cette partie. C'est la main infernale qui est. La main infernale, surtout avec le. Comment ça s'appelle ? La Kaisa Fett qui va faire très 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 mal. Et un peu de calme dans cette game. Ça fait du bien, un peu de calme. La régie qui va s'endormir, mais on ne verra pas la différence, ne vous inquiétez pas. C'est très bien que. Il n'y aura pas de calme. La régie qui est en train d'imploser. Ah bah n'hésitez pas monsieur Notmi à vous lâcher. Et c'est une rencontre midlane. Attention, c'est parti qui se fait catch par trop aucun ultimate qui a été claqué de la part de cette Johnny sans aucune conséquence. Du coup, Notmi qui fait son petit bleu, c'est peut-être son deuxième bleu de la partie. C'est son deuxième bleu en effet, attention Unix, c'est son deuxième bleu tout seul sur cette bot lane. Il y a tout claqué, Kokoteriko qui va, qui claque son c'est ultimate sous sa forme. Unix qui a une très bonne idée d'aller bot lane. Mais Yone du coup qui là peut en soi presque solo carry la partie, il trouve un bon ult, il peut one shot la Kaisa, tuer le Renekton c'est compliqué. Tous les Renekton, je sais pas comment ils peuvent le faire. Renekton est dans sa game, la Est-ce que la question peut le shred, même pas? Ah, ça, c'est très compliqué. Elle a deux items quand même, ça commence à faire, mais attention. Oh, c'est Pangoin. La grenade SM qui a été claquée. Et on fuit parce que tout simplement ce Renekton arrive. Oh. Attention, c'est parti qui peut potentiellement mourir l'entrée triomphale. Qui tombe, attention, Kokoteriko qui l'appelle Titi, on a fait exhaust sur Kokoteriko qui est en train de se battre comme un fou, comme un dieu. Et tout simplement. Ah merde, je n'avais pas vu le Nether, excusez-moi, qui vient d'arriver comme une fleur. Quadraki doit le chercher. Est-ce qu'on Fire le veut. Fire Flash. Fire, oh non, il grid pas. Ne grid pas, c'est honteux.
Nous avons des joueurs très sérieux. Alors ils veulent dérouler la partie. Attendez, la régie qui est en train de nous parler. La régie qui a tenté d'être marrante. Et ça ne passe pas. Attention à langage de Nila. Nila qui vient de faire une magnifique langage. La grenade ASN de la part de Linux sous les T4. Sous les T4, excusez-moi. Un kill de la part de cette Cassiopeia et de cette Kaisa. Et du coup, on part de cette base. On a pris un inhibiteur. On aurait sûrement aimé aller plus loin, mais on va pas se précipiter de cette équipe rouge. On va prendre un maximum de ressources dans cette jungle. On ne va rien laisser à l'équipe bleue. L'équipe bleue qui est dans le mal. Je vois mal comment ils peuvent gagner un teamfight, sachant que là, c'était pas un vrai 5 contre 5. Et ils se sont fait un peu botter les fesses. En effet, et surtout, on a le dragon qui arrive dans 1 minute 5 environ, et le Nashor dans 1 minute 10. On va devoir faire un choix. Âme infernale et dragon et Nashor. Qu'est-ce qu'on priorise ? Quelle est la priorité ? Alors pour l'équipe rouge, je pense que chercher l'âme infernale, c'est ce qu'il y a de mieux. On a une équipe qui est là pour combattre. On a l'âme infernale, cette Kaisa va découper encore plus vite. Ce Renekton va juste découper les gens. On peut laisser le Nashor, on a de quoi dépush. Si jamais l'équipe bleue push un petit peu, on a Kaisa, on a Sylas, on a Renekton. Spellmost. Mais on peut faire des choses. Du coup, je pense que pour cette équipe rouge, on devrait peut-être focus ce dragon. Et pour l'équipe bleue, on devrait plutôt jouer sur sa chambre. Kaisa, mais... attention à la Kaisa, attention Fire qui est en train de se faire détruire. La grenade ASM. Oh, il ne meurt pas, Fire. C'est triste. C'est vraiment très triste. Le Renekton qui est en train d'arriver dans la backline. Attention à ce Renekton. Renekton qui est en train de se faire détruire. Par ce Yoneo également qui est en train de se faire détruire. Attention à Sparty. Il faut son regard de la méduse. On a tué Renekton. Renekton qui est en train de mourir. Attention quand même, le regard de la méduse. Sur 7. C'est Joanie, je commence à être à bout de souffle, au secours. C'est Joanie qui est en train de mourir. Attention à l'équipe bleue qui est en train de reverse sweep, qui est en train de détruire ce fight. Il fait très très mal ce fight à l'équipe rouge. Comment ? Et Krog va peut-être le dragon. Du dragon ? Non. Et là, oh, belle esquive de la part de Krog. Krog qui n'y va pas. J'aurais tenté le style. La Kaisa qui a été mise pause, qui s'est fait punir. Derrière la punition de Kaisa, on a puni toute l'équipe adverse. L'équipe bleue qui a encore de belles réponses à opposer à cette équipe rouge. L'équipe rouge qui a pris une bonne douche froide et qui se rend peut-être compte qu'il ne faut pas trop penser à la victoire tout de suite, dans le sens où on est devant, mais il ne faut pas faire trop de bêtises parce que derrière il y a un Yone et une Cassio qui nous attend au tournant et ça peut faire très mal. En effet. Et ceux de Nashor qui est en train d'être commencer par l'équipe bleue. Krog est là. Krog a deux levels d'avance sur ce Nautilus. Krog va peut-être vouloir y aller. Oui, Krog, mais il maintenant. Il faut utiliser son ultime sur ce Galio qui est en train de se faire pulvériser. Attention au retour. Attention à Nila. Nila fonce. Nila, elle avait faim. Après, elle n'y est pas allée. Les levels en jungle veulent plus trop rien dire parce qu'on a un smite à 900 des deux côtés. Un petit flash smite à 900. On peut voler notre champ. On va voir ce que ça donne. L'équipe on va tenter un style. On veut tenter un style. Coco Terrico qui fonce sur cette Kaisa. Coco Terrico qui se fait exhaust. Malheureusement, quel magnifique regard de la méduse. Attention, le retour de Nila dans la backline. La backline qui se fait détruire par la pulvérisation de Nila. Nila qui est partout. Nila, elle est impériale. C'est sur ce fight. Fin de partie pour l'équipe rouge. L'équipe rouge qui remporte cette dernière partie. Après en avoir perdu deux, ils en ont gagné une. Ils ont réalisé le baroud d'honneur. Et ils ont gagné cette partie. Mais du coup, je tiens à dire que Fire a fait en sorte à garder son exhaust à chaque fois que Coco Terrico essayait d'aller le chercher. Il l'exhauste instantanément. Le Yone peut plus rien faire. Le Yone est out du fight. En effet. Et c'est le baroud d'honneur qu'on avait parlé de la part de l'équipe Unix. Et c'était une très belle game. Est-ce que j'ai fait les prédictions ? Mais du coup, on a eu,
on a eu aussi quelques entrées héroïques du Galio qui ont un peu atterri nulle part, où on n'a pas trouvé de bumps pour les adversaires, du coup on n'a pas pu rebondir derrière. Les regards de la Méduse qu'on a essayé de mettre, mais bon, le Renekton était juste intuable, même avec un regard de la Méduse. Les rares fois où on l'a tué, c'est parce qu'il est overextendé de fou, enfin il gridait beaucoup, notamment sur des T3. Et du coup, très belle équipe, deux équipes. L'équipe Cocoterico qui nous a montré deux belles games, dont une où ils ont réussi à remonter, mais l'équipe de Unix qui nous a montré deux bons early, en tout cas, de ce que j'ai vu. J'ai trouvé leurs early assez bons en soi. Et sur la dernière game, ils ont montré qu'ils ont leur early, ils déroulent leur jeu tranquillement, ils mettent leur AD carry bien, l'AD carry gagne, la game gagne. En effet, et je tiens à mettre, je le redis comme le dernier fight, à mettre en lumière le travail de Nila, qui est dans le chat. Nila, tu as été impérial, je trouve. Ouais, j'ai très fan de ce Alistar. Avec ton Alistar. Donc je t'en supplie. Je t'en supplie, oublie Soraka et mets-toi à Alistar. Et tu peux. Joue trèche aussi, mais évite de prendre tous les kills. Non, ça tu peux. Étant un grand main trash, tu peux. Mais si tu veux pas AD, tu n'as pas le droit. En tout cas. Nous avons une embrouille entre la régie et un des casteurs. Et un des casteurs, ça va se battre. Voilà, la régie qui barque. Nous avons Carmage avec nous. Qui fait le bruit qui lui correspond le mieux. Ça, c'est beau. Et oui, en effet, Nila trop forte. Je confirme. Mais du coup, des bonnes games ce soir, en tout cas, du côté des joueurs pichotes. J'ai beaucoup apprécié. Et je pense que c'est un ressenti global. Tout le monde a apprécié cette soirée. J'espère que pour les viewers, vous avez apprécié notre cast. N'hésitez pas à nous faire des retours, bien entendu. Surtout à moi. Voilà. Ouais, moi aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Nous sommes des néophytes, bien entendu. Et oui, Sparta qui revient autour du cast. En tout cas, demain, tu n'auras plus de voix. Oula, non. Non, il faut juste un demi-litre d'eau. Ah, bah s'il faut un demi-litre d'eau. Bah pour ça, is ok. Et bah parfait. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on fait des interviews ou on les laisse dormir? Moi, je propose de les laisser dormir parce que je suis également un petit peu fatigué. Ah bravo. Moi, je vais partir jusqu'à 3h du mat ou 4h jusqu'à League of Legends, mais tout va bien. Je suis un peu fatigué et on pourrait faire des interviews, peut-être prévoir ça pour la prochaine fois, parce qu'on peut préparer des choses, organiser tout ça. Parce que là, bon, il est quand même minuit, je pense que les joueurs sont déjà fatigués. Certains vont faire des solo queues toute la nuit, mais d'autres vont genre dormir comme des gens normaux. Et civilisés. mais je ne suis pas sûr. Ah, la régie qui se fout de la gueule des gens qui jouent à League of Legends, c'est honteux. Et avant que la régie provoque une seconde guerre mondiale, je propose de fuir. Qu'en pensez-vous? La régie qui souhaite couper ce live est mangée. On lui donnera ses croquettes, bien entendu. Et un petit... Non, ce sera la petite gamelle d'eau, bien entendu. Et donc, du coup, c'est sur ce taunt que nous faisons à la régie que nous allons clôturer ce live. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks, vous avez des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et tout simplement, vive Pichotte et fuck la régie. Vive les sports. Des bisous YouTube. La régie, à vous.